Bonjour à tous, ceux qui nous rejoignent peut-être cet après-midi, et ceux notamment qui sont là depuis 2 jours, qui ont eu la performance de nous supporter pendant 2 jours. Et ça devait être un exercice, à mon avis, assez délicat. Alors, on va aborder un sujet cet après-midi qui nous concerne tous, qui parle de la compétence. Alors ça, c'est un sujet important, notamment en matière de santé. Et pour pouvoir répondre en tout cas à toutes ces questions, et pour être dans la continuité de la réflexion qui est menée depuis hier, on a abordé les politiques publiques, on a abordé les différentes approches, on a abordé l'Europe, on a vu ce matin comment on se forme, comment on introduit la notion de santé dans les dispositifs de formation, et puis on va arriver cet après-midi sur notre point de chute qui est ben, comment je fais quand je suis sur le terrain? Comment je fais, et notamment au niveau des employeurs, mais qu'est-ce qu'ils recherchent comme compétences? Qu'est-ce qu'ils privilégient pour prendre un éducateur ou un animateur, ou en tout cas ou un bénévole d'ailleurs, enfin, quand on fait le choix d'agir sur la santé, eh bien, qu'est-ce qu'on privilégie comme compétences? Alors, il y a plusieurs approches. Alors, pourquoi la santé? Alors, il y a plusieurs approches, mais pour aborder ça, on va avoir des intervenants de différents domaines d'intervention. Alors, on avait fait le choix de prendre Monsieur Anthony Mézières, qui est chef de service au service gériatrie de la Salpêtrière, qui, lui, avait une intervention notamment sur les personnes qui étaient post-opératoires et donc qui avaient fait une chute. Alors, on a fracture du fémur, etc., toutes ces problématiques liées à l'avancée en âge, et qui avait fait le choix de prendre dans son service un éducateur sportif pour quelle raison? Pourquoi associer dans son service un éducateur sportif alors qu'il a toute l'équipe médicale, il a toutes les compétences médicales pour que la personne qui s'est blessée puisse retourner à domicile, puisque c'est l'objectif. L'objectif, c'est de retourner à domicile, c'est pas de rester à l'hôpital. Hein. Et donc il s'est dit, eh bien, mon équipe médicale, il manque quelque chose. C'est-à-dire que, effectivement, ils interviennent sur toute cette problématique de santé, mais pour retrouver de l'autonomie, pour éviter de rechuter en rentrant à la maison. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a cherché? Il a cherché ben justement ce qu'on parlait ce matin, c'est-à-dire tout ce qui est lié au social. Pourquoi? Parce que cette personne-là, elle est prise en charge par une équipe médicale qui les prend une par une. Peut-être que le moment où elle se trouve à deux, c'est dans la salle de kiné. Avec un peu de chance, il y a deux, trois personnes. Mais c'est pas sûr. Ensuite, elle retourne dans sa chambre, elle est toute seule. Donc, il s'est dit, ça, c'est mon premier objectif. Et son deuxième objectif était de dire, mais si je rajoute de l'activité physique à ces personnes-là, eh bien, est-ce qu'elles vont rentrer plus vite à la maison? Est-ce qu'elles vont retrouver plus vite l'autonomie qu'elles avaient besoin? Et donc, il a fait une petite expérimentation sur 2 groupes de personnes. Alors, pourquoi je parle? Excusez-moi, j'ai oublié une chose, c'est que je me permets de parler à la place de Monsieur Mézières. Pourquoi? Parce que suite à la crise Covid et la vague qui s'annonce, il a été mobilisé pour une cellule des crises et donc l'impossibilité de dernière minute d'intervenir, c'est la raison pour laquelle il m'a demandé de présenter à sa place ce qu'il avait engagé. J'aurais dû le présenter au départ. Je présente mes excuses par rapport à cela. Et donc, il a fait donc son expérimentation, si on peut appeler ça comme ça, en disant, ben, j'ai un groupe de personnes dans mon service qui sont suivies uniquement par l'équipe médicale, et puis un groupe de personnes pour lesquelles j'ai rajouté un éducateur sportif. Et quels sont les résultats? Eh bien, les résultats étaient très positifs, puisque effectivement, l'autonomie retrouvée était beaucoup plus rapide lorsqu'on intégrait l'activité physique. Alors, pour participer aussi à ce débat, il y aura Madame Farizon qui se présentera, qui est ici sur le plateau. Monsieur Nicolas Moiré qui se présentera aussi, c'est pour ça que je ne vous situe pas, qui était présent sur le plateau. Monsieur Gramont, qui est de Gonfreville-l'Orcher en Seine-Maritime, qui se présentera. Et nous avons à distance deux autres personnes. Monsieur Édouard Bourdon, qui est directeur du Sésame, donc qui est un hôpital de santé mentale qui est situé à Angers, qui a embaucher des éducateurs sportifs dans son service. Et puis, nous aurons un témoignage d'Evangelina Galeno, qui est éducatrice sportive, qui est d'Argentine, et qui est venue chercher des compétences en France. Elle nous expliquera ce qu'elle est venue chercher, qu'elle n'avait pas trouvé. Alors, la santé, c'est quelque chose, on a bien vu depuis 2 jours, la santé, c'est un sujet
qui nous concerne tous, mais qui pose problème. Alors pourquoi ça pose problème, la santé? Eh bien parce que c'est son périmètre qu'on n'arrive pas à délimiter. Et donc de dire à quel moment je suis dans la santé et à quel moment j'y suis pas. Est-ce que le fait de pratiquer, ou parce que la santé, on a bien vu, n'est pas que physique, hein, est-ce que dans mon intention, dans ma pratique, est-ce que je suis toujours dans la santé? Est-ce que je veux toujours être dans la santé? Hein? Et comment on mesure la difficulté, c'est comment on mesure l'efficacité de son action. On a bien vu Madame Goujon hier de l'ARS qui a dit, moi je privilégie les projets pour lesquels c'est efficace. Mais en matière de santé, comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de son action? Alors on la mesure parfois parce qu'on est sur des publics avec des problématiques de santé, donc là on peut mesurer les effets. Mais quand on a un public qui n'a pas de problème, comment on mesure son action? Ensuite, l'autre problématique qui se pose quand on parle de santé, c'est l'entrée. Alors quand on parle de santé, instinctivement, on a tendance à penser soit à pathologie, ça c'est une entrée, soit public invisible, prioritaire, défavorisé. À aucun moment, si vous regardez un petit peu, à aucun moment on se pose la question, me semble, les publics qui sont favorisés. Pas de problème financier, pas de problème d'accès à une association, pas de problème financier. Mais cela, est-ce qu'on s'en occupe? Non. Alors, c'est peut-être parce qu'ils ne sont pas prioritaires, ils ne sont pas majoritairement prioritaires en termes quantitatifs, mais on ne s'intéresse peut-être pas non plus à leurs attentes. Est-ce qu'ils n'ont pas envie? Est-ce qu'ils sont tous dans la santé? Est-ce que parce qu'on est favorisé, on a forcément une démarche de santé par rapport à soi? Non. Est-ce qu'on parlait de famille ce matin? Est-ce qu'on a forcément une culture familiale envers ses enfants parce qu'on est favorisé? Non. Et ça, c'est un volet, il me semble, qu'on n'aborde pas, hein, qu'on n'a pas abordé. Et donc la question de la compétence, qu'est-ce qui fait compétence? Alors on sait que la compétence, elle se construit par rapport aux autres. On évalue sa compétence par rapport à l'autre. Si on est tout seul, on est toujours compétent. Hein? Et donc qu'est-ce que privilégient nos employeurs quand ils embauchent un éducateur? Est-ce qu'ils privilégient la qualification? Est-ce que c'est ça qu'ils regardent? Est-ce qu'ils regardent, ben, il sait faire? Est-ce que parce qu'on est qualifié, on est compétent? On sait bien que non, quel que soit le domaine, quel que soit le métier. C'est pas parce qu'on est qualifié qu'on est compétent. Hein? Et c'est pas parce qu'on n'est pas qualifié qu'on n'est pas compétent. Hein? Donc ça, ce sont des questions qui sont très importantes. La seule chose qui nous rassemble, en tout cas, quand on agit sur des publics, c'est bien, et ce qui relève du champ des activités physiques, c'est bien la protection des pratiquants et la sécurisation des pratiques. Donc, ce qui fait santé, c'est est-ce que nos éducateurs qui arrivent en formation, il faut qu'ils se construisent ce qu'on appelle une identité professionnelle, et est-ce que dans la construction de leur identité professionnelle, la mission santé fait partie de cette identité? C'est pas sûr. Et pour qu'elle en fasse partie, il y a deux solutions. Il y en a peut-être plusieurs, mais j'en vois deux. Il a envie, donc dans ce cas, on sait qu'il va être motivé pour le faire. Et puis, ben, il ne sait pas forcément. Et là, il y a l'organisme de formation qui va le sensibiliser, qui va l'orienter, à condition qu'il ait envie, lui aussi. Hein? Et donc, ce qui fait santé, à mon avis, c'est peut-être pas, et on va débattre avec nos intervenants, ce qui fait santé, c'est peut-être l'intention qu'on y met. C'est ça, en fait, peut-être. C'est pas parce que je suis sur un public prioritaire, c'est pas parce que je dis l'activité physique me permet d'intégrer des publics et je vais créer du lien social, donc je suis sur la santé. Non, c'est pas sûr. Si je n'ai pas une intention de santé, c'est pas parce que je fais venir des personnes et elles vont se rencontrer, elles vont se parler pendant l'activité physique ou autre activité culturelle et animation, c'est pas parce qu'elles ont échangé que ça fait santé. Ce qui fait santé, on l'a bien compris depuis 2 jours, ce qui fait santé, que ce soit sur le champ de l'animation, sur une entrée sociale, une entrée d'activité physique ou autre, ce qui fait sens santé, c'est bien comment dirais-je, la continuité de ce qui sera mis en place, soit dans une association parce que je viens une fois par semaine, mais après,
Est-ce que quand je viens une fois par semaine dans mon club, je suis dans de la santé? Non, on a bien vu. Donc la santé, c'est à partir du moment où je suis capable de transférer ce que je fais dans ma structure, qu'elle soit de l'animation du sport, de le transférer dans ma vie quotidienne, parce que c'est nécessaire. Et le rôle de l'éducateur, de l'animateur, de l'acteur de la santé, c'est de pouvoir repérer chez la personne qui vient ses besoins, et ça, effectivement, mais comment il va faire le relais pour que ce qu'il veut faire passer ce jour-là, hein, c'est bien de la continuité qu'il y aura derrière. Et la mesure de l'action santé, elle ne se mesure pas dans le club ou dans l'association, elle se mesure aussi après. Qu'est-ce qui s'est passé après? Et est-ce qu'on s'intéresse à ce qui s'est passé après? On a le cas peut-être aussi, et madame en parlera, du sport sur prescription. On rentre dans un protocole, il y a une équipe tout autour, mais après, qu'est-ce qu'elles font les personnes qu'elles ont, quand elles ont fait leurs 15 séances? Qu'est-ce qui se passe après? Donc voilà en gros les sujets qu'on va aborder cet après-midi, toutes les questions qui se posent, et notamment quand on parle de compétences, la question de la formation se pose. Je pense qu'au regard des questions qu'on a vues ce matin, la question principale n'est pas où je vais me former. Bien sûr que c'est important. On trouvera toujours une réponse pour aller se former. Peut-être pas de proximité, il y aura toujours une réponse. Le problème, c'est pour se former à quoi? Pour se former à quoi? Et pour faire quoi? Est-ce que si je me forme sur une pathologie, est-ce que je suis compétent pour agir sur la santé? Non, pas complètement. En tout cas, pas sur la santé telle qu'on l'a abordée depuis 2 jours, c'est-à-dire la santé holistique. Donc, je vais laisser peut-être la parole, parce que les questions arriveront après. Je vais laisser la parole à nos intervenants. Alors, je n'ai pas fait le choix de hiérarchiser les interventions, mais un peu quand même, puisque je vais donner priorité à la gente féminine et donc à Mme Farizon qui se présentera et voilà, je vous en prie. Très bien, donc je voulais commencer par vous remercier de m'avoir invité à ce webinaire parce que c'est le sport santé, c'est un sujet qui me tient à cœur au quotidien dans mon activité professionnelle mais aussi dans mon activité personnelle. Voilà, donc moi je m'appelle donc Peggy Farizon, je suis responsable du pôle sport, santé, loisirs au sein de la direction des sports de la ville de Caen depuis 2016 et auparavant j'exerçais déjà dans la même collectivité mais en tant qu'éducatrice sportive. Donc si aujourd'hui la collectivité de Caen a fait le choix de développer beaucoup d'actions en matière de sport santé, il faut savoir tout de même que c'est un sujet sur lequel on travaille depuis de nombreuses années, depuis plus d'une dizaine d'années. En fait, on avait déjà mis en place différentes actions en matière de sport santé bien avant la mise en place du sport sur ordonnance. Et c'est intéressant de faire le parallèle entre le avant 2016-2017 et le après, parce qu'on n'a pas forcément mis en place le même type de formation. Donc, comme on parle de compétences, je pense que ça peut être intéressant de faire le parallèle entre les deux périodes. Donc initialement, on a mis en place des actions sport-santé plus à travers la prévention primaire pour aider les personnes à se maintenir en bonne santé, des personnes qui n'étaient pas forcément atteintes de pathologies. Dans ce cadre-là, on s'intéressait essentiellement, alors ça va rebondir sur ce qui s'est dit ce matin sur le sport-famille, puisqu'on s'est rendu compte que c'était pas forcément une habitude de pratiquer en famille et que ça pouvait participer au maintien de l'activité physique sur les différents temps. Ces actions ont été mises en place aussi à travers le sport senior et les grands seniors pour les aider à maintenir de l'autonomie le plus longtemps possible. On avait également mis en place du travail en réseau, notamment avec l'établissement de santé mentale de Caen, avec lequel on travaille depuis plus de 10 ans pour pouvoir mettre en place des animations pour les personnes atteintes de troubles psychiques. Dans ce cadre-là, on a un travail en partenariat, notamment avec le personnel soignant, les infirmiers et médecins psychiatres. Et enfin, on avait également déjà travaillé sur la notion de handicap. Durant cette période, au niveau de la formation des éducateurs, il faut savoir que ça s'est fait de manière un petit peu empirique, avec beaucoup de partage d'expérience, en fait, parce qu'on s'est rendu compte que c'était très riche de pouvoir échanger sur les différentes pratiques, soit sur des temps d'échange pédagogique ou soit sur du travail en binôme.
Sur ce temps également, on avait pu bénéficier de formations via le Centre national de la fonction publique territoriale, plus sur le volet prévention primaire, notamment sur des thématiques sport senior et sport grand senior. Et enfin, le dernier volet de formation qu'on avait mis en place sur ces temps-là, c'était le travail en partenariat avec l'établissement de santé mentale, qui nous a permis d'avoir des temps d'information et d'échange avec un médecin psychiatre et le personnel soignant pour travailler sur les précautions à prendre et sur les spécificités des personnes atteintes de troubles psychiques. Voilà, donc ça c'était toute cette période avant 2016-2017, je dirais. Voilà, depuis on a travaillé au niveau de la collectivité sur la mise en place du sport sur prescription médicale. Donc plus là sur un volet prévention secondaire. Dans ce protocole, on a dû mettre en place de nouvelles modalités de formation, puisqu'on devait travailler notamment sur les pathologies. Donc dans un premier temps, des formations généralistes, je dirais, sur ce qu'on entendait par sport santé, sur les enjeux qu'il y a autour du sport santé et du domaine de la santé de manière globale. Et une formation sur une immersion pour un rapprochement entre le monde médical et le monde sportif. L'idée, c'était de pouvoir un peu visiter les centres d'éducation thérapeutique, certains services du CHU, des centres de réadaptation fonctionnelle, pour voir justement quel était notre champ d'intervention et d'où partaient nos bénéficiaires, avec un retour d'expérience derrière. Ensuite, un deuxième volet de formation est issu du travail qui a été mis en place par le comité de pilotage du sport sur ordonnance pour définir les pathologies sur lesquelles nous allions intervenir. À Caen, par exemple, le comité de pilotage n'a pas fait le choix de travailler sur le cancer, alors que d'autres dispositifs le font, puisqu'il y avait un réseau qui était déjà bien instauré sur la ville. L'idée était de venir en complémentarité de l'offre existante et pas en concurrence. Ainsi, les éducateurs ont été formés sur les différentes pathologies qui ont été retenues dans le dispositif, notamment sur les maladies cardiovasculaires, les troubles psychiques, l'obésité, le diabète de type 2, voilà, pour ne citer que. Ces formations ont été proposées en interne, puisque, avec la mise en place du dispositif, on avait une vingtaine d'éducateurs à former. Donc le choix avait été de le faire en interne et puis aussi pour répondre aux pathologies spécifiques du dispositif Canet. Et enfin, on a une troisième modalité d'organisation pour les formations. Donc c'est un petit peu ce qu'on met en place en ce moment pour compléter ces formations où on a un fort apport de connaissances. L'idée, c'est de pouvoir proposer quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique en travaillant en réseau avec les membres du comité de pilotage et notamment du monde médical. On propose maintenant aux éducateurs des demi-journées d'information sur des thématiques spécifiques issues des problématiques qu'ils ont pu rencontrer. Là, dernièrement, au mois de décembre, on a un kinésithérapeute, pardon, qui est intervenu auprès des éducateurs pour travailler sur les limitations fonctionnelles et comment elles étaient prises en charge sur le domaine de la kinésithérapie et comment derrière on pouvait être complémentaires, nous, sur le volet sportif. Donc c'est très intéressant. Ce matin, j'entendais parler de coopération et je trouve que l'enjeu vraiment du rapprochement du monde médical et du monde sportif est une clé importante pour la réussite des différents projets. On a eu également des interventions d'un médecin du CHU sur quand on a élargi aux maladies cardiovasculaires pour travailler sur les seuils d'intensité en fonction des différentes pathologies cardiaques. Donc c'était aussi très intéressant. Et là, on est en train de travailler sur une demi-journée d'information, plus sur l'aspect diététique, nutrition. Donc, en fait, les éducateurs remontent un petit peu les différentes problématiques ou les formations qu'ils souhaiteraient mettre en place. Et nous, on sollicite nos partenaires du comité de pilotage qui sont parties prenantes sur ces volets de formation. Et on est vraiment sur un échange et c'est vraiment très intéressant. Voilà, j'en dirai Merci peut-être un peu beaucoup plus après. de ces témoignages. Est-ce que vous avez un peu une lecture, une lisibilité sur le support d'activité qu'ils utilisent pour pouvoir intervenir sur les différents champs que vous nous avez présentés? Alors, les éducateurs, oui, en fait, initialement, on était plus parti sur
Je dirais que sur des activités traditionnelles, encadrées, type gymnastique douce, mais ça peut aussi passer par des sports de raquettes, ça peut, enfin voilà, c'était très très large. Aujourd'hui, on a essayé d'élargir notre champ d'intervention sur les activités en autonomie. L'idée, c'est de développer de nouvelles modalités de déplacement, d'inciter les gens à pratiquer davantage d'activités physiques et pas seulement du sport en tant que tel. Donc on a développé notamment l'utilisation des vélos électriques. Alors électrique, ça peut faire sourire, mais ça nous permet de gérer l'hétérogénéité des groupes et aussi de gérer la progression des bénéficiaires qui peut être très différente d'un individu à un autre. Donc le groupe peut évoluer ensemble, mais chacun avec sa dépense différente. On a aussi beaucoup développé tout ce qui est lié à la marche nordique. Voilà, toutes les activités, vous parliez tout à l'heure de continuité de ce qu'on fait après le dispositif. L'objectif, il est vraiment pour nous d'aider les bénéficiaires à remettre le pied à l'étrier dans l'activité physique et de pouvoir continuer en autonomie. L'autonomie, c'est quoi? C'est soit continuer dans une association avec laquelle on peut être partenaire, où on sait que les bénéficiaires vont être accueillis dans de bonnes conditions, de sport adapté. Ou bien, on a aussi des personnes qui n'ont pas du tout envie de s'inscrire dans une association, mais qui ont construit suffisamment de repères pour pouvoir poursuivre leur activité physique en autonomie. Voilà. Donc, c'est aussi bien des activités physiques traditionnelles que des activités physiques. Est-ce que vous avez aussi une lecture de la tranche d'âge de ces personnes qui bénéficient de ces dispositifs? Oui, alors au niveau de Caen, on accueille des enfants en surpoids et ça va jusqu'au grand senior, donc c'est très 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 large. Oui. Est-ce que, et aussi une dernière question par rapport à ça, parce que la difficulté sur ces dispositifs, mais c'est qu'une réflexion, c'est pas du tout une critique ou un constat, c'est comment ça se passe pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué de leur vie, qui n'en voient pas l'intérêt, qui ont eu plutôt un élément déclencheur qui est la pathologie, ou en tout cas un problématique de santé, ça c'est l'élément déclencheur, mais c'est pas leur culture, ni familiale, etc. Donc comment est-ce qu'on fait? Parce que ces personnes-là, une fois qu'elles sortent de votre dispositif, en fait elles apprécient votre dispositif. On est ensemble, on a la même pathologie, on pratique ensemble. Ce qu'ils veulent après, ils veulent bien continuer, mais dans les mêmes conditions, sauf que ces conditions-là, ils peuvent plus les avoir. Et donc la difficulté, c'est de passer dans un club traditionnel, même si l'activité est adaptée, c'est de faire le pas pour aller vers on va dire, une structure classique, avec des gens qu'on ne connaît pas, qui ont peut-être la même pathologie, mais alors ça, ce pas, cette porte à franchir, elle est assez difficile. Et Tout à fait. est-ce que du coup, il y a un dispositif qui permet ça? Comment se fait le lien? Est-ce que c'est de dire, ben, voilà, j'ai une adresse pour vous, je schématise, hein, je caricature, j'ai une adresse pour vous, c'est à côté de chez vous, voilà, la personne, elle est formée, elle pourra continuer. Est-ce que c'est ça? Ou comment se fait justement ce lien pour qu'il y ait un lien relationnel qui se crée avant d'y aller? Parce que le pas, le pont, il est énorme à franchir pour ces personnes-là. Les gens qui ont pratiqué le sport dans leur vie, ça pose pas de problème. Mais quand on n'a jamais fait, puis qu'on se dit, bon. Et est-ce que le constat, c'est justement un arrêt de l'activité derrière, peut-être, le risque? Est-ce que c'est pas ça? Alors, pour répondre à votre première question, pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué, tout se joue au rendez-vous d'accueil, en fait, puisqu'on fait un entretien motivationnel. Et on se rend compte que les personnes qui viennent sur cet entretien, souvent, sont stressées, ne savent pas trop à quoi s'attendre, parce que la prescription se fait sur un temps médical. Le médecin n'a pas forcément le temps d'expliquer un petit peu le parcours que va pouvoir suivre la personne. Donc tout l'enjeu, il est de rassurer déjà dans un premier temps. Et durant cet entretien, on fait aussi passer des tests physiques. Et en fait, grâce à ces tests qui sont très simples, on a souvent ça leur permet de reprendre un petit peu confiance parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire certaines choses qu'ils ne pensaient pas être capables. Donc c'est déjà une première étape qui permet de les rassurer. Après, par rapport à la continuité de l'activité post-dispositif, effectivement, c'est un constat qu'on a fait. Très rapidement, en fait, pour les premières personnes qui sont sorties du dispositif. Donc, on a essayé de trouver des leviers, justement, parce qu'on s'est rendu compte que sur le mouvement sportif, finalement, il y avait une marge très très haute, parce que non seulement ce sont des gens qui n'ont pas fait de sport bien souvent depuis l'école,
Mais la pathologie est encore là et effectivement, c'est souvent très compliqué de pouvoir intégrer un cours d'activité physique plutôt loisir, on va dire. Donc ce qu'on propose, nous, au niveau de la ville, donc ça c'est un travail qui a été mis en place avec les éducateurs, c'est des créneaux passerelles en fait. Donc soit les gens sont suffisamment prêts à pouvoir aller vers les associations et auquel cas il n'y a pas besoin de les accompagner. Pour les personnes pour qui c'est plus compliqué, on met en place des créneaux où justement ils sont encadrés par un éducateur sportif de la ville et ponctuellement ils vont essayer de faire les séances plus sur des associations où on sait qu'il voilà, Alors, y a un accompagnement en fait vers ces structures qui va aider les personnes. Après, on a encore d'autres personnes qui, malgré ces créneaux passerelles, ne pourront pas faire la démarche d'aller vers une offre associative. Donc là où il y a des manques, pour l'instant, on met en place des activités justement où le seuil d'activité est moindre, en fait. on a bien compris votre travail. On va essayer de se recentrer peut-être sur ce qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est alors, en fait, vous anticipez, vous formez vos éducateurs pour qu'ils puissent agir sur cette manière. Mais si vous avez un éducateur qui arrive chez vous en disant je peux agir sur ces problématiques, qu'est-ce que vous regardez? Est-ce que vous dites ben en fait il connaît la pathologie? Parce que c'est ça que vous regardez, il a le diplôme, c'est bon. Qu'est-ce que vous regardez? Alors, effectivement, nous, la réglementation fait qu'il faut une qualification, mais si on raisonne compétence, qu'est-ce que vous regardez? Alors bien au-delà de la compétence, alors bien évidemment il faut les connaissances voilà, par rapport aux pathologies, enfin, tout ce dont on a parlé jusqu'à présent. Pour moi, ce qui est vraiment important pour un éducateur qui travaille sur le sport santé, c'est l'adaptabilité. En fait, on se rend compte qu'on a des publics très très hétérogènes et qui nécessitent de s'adapter constamment. Un éducateur, il peut arriver avec sa séance préparée, son cycle. S'il n'y a pas cette capacité d'adaptation, ça peut être très vite compliqué parce que. Et comment vous le vérifiez quand vous l'embauchez, sa capacité d'adaptation? Alors, c'est pas forcément simple. C'est ça. Ouais. Alors nous, enfin, sur notre collectivité, on a la chance souvent, enfin, de pouvoir avoir des temps de remplacement, en fait, où finalement, quand on a des éducateurs remplaçants sur une certaine période, ça permet aussi de pouvoir vérifier la manière d'appréhender les publics, parce que au-delà des compétences, c'est ce que je voulais poursuivre sur ce champ-là, c'est la bienveillance qu'on peut avoir. Auprès des bénéficiaires ou des publics en général, l'adaptabilité et l'empathie. Ça, c'est très très important. La différence entre l'empathie et la sympathie, pour justement aller vers l'autonomie, il ne faut pas que les bénéficiaires ou les publics soient dépendants de l'éducateur, mais bien qu'ils fassent l'activité pour eux-mêmes, si on veut aller vers cette autonomie. Et il faut très vite qu'ils réussissent à se détacher justement de. Voilà, de cela. Je vous remercie beaucoup. On va peut-être rebondir. Excusez-moi, Monsieur Marais, j'ai une idée qui me vient en tête comme ça. C'est Monsieur Bourdon, qui est dans le champ, qui est dans le champ médical aussi un petit peu. On veut dire là, qui vous rapproche un petit peu. Est-ce que Monsieur Bourdon, vous voulez vous présenter, dire ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des corrélations avec ce que fait la ville de Caen, ou est-ce qu'on est complètement éloigné? Je vous laisse vous présenter en même temps. Bonjour. Oui, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Très bien. Bonjour à tous, et également merci pour cette invitation. Je suis Edouard Bourdon, donc directeur adjoint au Centre Santé Mentale Angevin, plutôt normalement rattaché aux ressources matérielles, mais on a aussi des missions diverses. Et donc j'ai pu développer un projet effectivement d'activité physique adaptée. Effectivement, il y a beaucoup de similitudes avec ce qui vient d'être dit. Je ne sais pas si je dois forcément développer le projet, mais ce qu'on a fait, nous, à notre niveau, c'est effectivement, en quelques mots, on a intensifié notre politique d'activité physique adaptée, puisque c'est quelque chose qui balbutiait un petit peu. On avait sensibilisé certains soignants à cette discipline, à cette activité. Et voilà, on souhaitait aller un peu plus loin. De fait, effectivement, on a recruté deux éducateurs, deux enseignants APA, qui sont chargés plus particulièrement d'accompagner les patients dans les activités physiques sur l'intra-hospitalier, c'est-à-dire le secteur d'hospitalisation à Saint-James, comme vous l'avez dit, à côté d'Angers, dans le secteur de pédopsychiatrie, sur un autre site d'hospitalisation. Et en fait, le projet, il est
dirais-je, structuré en trois niveaux. L'idée, c'est effectivement de resensibiliser les patients au moment de leur hospitalisation, de remobiliser leur corps, et ensuite de pérenniser l'activité donc au niveau de nos structures ambulatoires. Dans ce cadre-là, on travaille plus particulièrement avec une association Sport Anjou Santé, et puis Solisport Anjou, pardon, et puis la Fédération Sport pour tous. Et puis l'idée, c'est effectivement ensuite d'accompagner les usagers vers des associations de droit commun. Et en fait, pour nous, l'idée, c'est de faire de l'activité physique adaptée un vecteur d'insertion sociale. Ce qu'on fait, effectivement, on sait que l'activité physique a des vertus sur un certain nombre de fonctions du corps, mais également elle permet effectivement de rompre l'isolement et de reprendre contact et retrouver une place dans la société. Alors, on a recruté effectivement deux enseignants à pas, et faire le lien avec ce qui a été dit, le questionnement qui s'est posé, c'est effectivement quelle complémentarité entre les soignants et les enseignants à pas dans la prise en charge des patients, en sachant qu'effectivement, ce qu'on voulait aussi démontrer, c'est la place de l'enseignant à pas dans le parcours de la prise en charge de nos usagers, et puis quelle formation d'adaptation à l'emploi. Effectivement, dans ce qu'on recherchait, alors toutes les activités se déroulent à chaque fois avec un soignant, et même si les enseignants à pas ont eu dans le cadre de l'adaptation à l'emploi une sensibilisation, je ne vais pas dire forcément une formation, mais une sensibilisation au-delà de ce qu'ils avaient pu connaître en stage pour l'un d'entre eux, une sensibilisation aux problématiques qu'on peut retrouver chez nos patients. Et donc, effectivement, ce qu'on a recherché au moment du recrutement, c'est, comme il a été dit, une forme d'adaptabilité, une agilité, mais aussi une capacité à travailler en équipe, et essayer de savoir si la personne pouvait donner du sens à son activité. C'était pas juste faire une activité pour faire une activité, mais c'est effectivement comment elle pouvait mettre en complémentarité ses compétences avec celles de l'équipe de soins. Et donc, concrètement, effectivement, à chaque fois, les objectifs de la séance sont réfléchis à la fois tout d'abord avec le patient, effectivement, sa volonté, ses capacités, ce qu'il envisage, et avec l'équipe de soins. Et de la même manière, à la fin de la séance, on essaye de restituer au patient, d'avoir une discussion avec le patient pour savoir effectivement comment il a comment s'est déroulée la séance et ce que ça a pu lui apporter. Et ensuite, il y a également un retour auprès de l'équipe. Et l'idée, effectivement, c'est ensuite d'accompagner le patient. De poursuivre cette activité lorsqu'il sortira et de mettre en place des passerelles tout au long de son parcours, pour pérenniser l'activité, parce que ça aussi c'est ce qu'on cherche, c'est ce que finalement c'est pas juste une sensibilisation au moment de l'hospitalisation, c'est vraiment qu'il y ait du lien. C'est pour ça qu'on s'attache à travailler avec les partenaires et on souhaite aussi que, et on les implique, que nos enseignants travaillent avec d'autres partenaires, d'autres fédérations pour pouvoir développer ces projets. Il y a aussi la capacité effectivement de développer toute une partie en termes d'ingénierie. Moi j'avais fixé le cadre du projet et sans forcément aller dans le détail. Et c'était volontaire parce que je voulais vraiment que les soignants et que les enseignants ensuite se retrouvent pour structurer la partie opérationnelle. Qu'est-ce qu'ils allaient proposer, comment ils allaient travailler ensemble, sur quel créneau. Là, ils se retrouvent toutes les séances ont lieu tous les après-midi, à la fois dans une salle qu'on a mis à disposition ici sur le Sésame, et puis également il y a beaucoup de séances qui se sont réalisées dans les services de soins. Autour de ces aspects opérationnels, effectivement,
eh ben j'ai souhaité mettre à contribution les enseignants. Et donc, de fait, effectivement, moi, j'imaginais pas qu'ils viennent avec des fiches toutes faites. Non, il faut vraiment qu'ils puissent s'adapter à nos publics. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous évoquiez la notion d'évaluation. Cette activité a démarré au mois de septembre de l'année dernière. Il y a plus de 40% de nos usagers. Le Sésame sur le site, c'est 270 patients encore hospitalisés aujourd'hui. Alors plus ou moins au long cours, hein. On a aussi des patients qui sont là sur une très courte durée. Pour autant, tous peuvent bénéficier de ce type d'activité. Et surtout, c'est là aussi où on mesure le succès, c'est que on a des retours très positifs des équipes médicales, des équipes soignantes. Nos enseignants sont très sollicités. L'ARS a été très intéressée par ce projet et nous l'a financé. Et on espère aller un peu plus loin, effectivement, en continuant à créer de l'emploi autour de cette activité. Et effectivement, les patients, pour la plupart, continuent, parce que nos partenaires continuent ensuite à la sortie de l'hospitalisation d'accompagner les usagers dans différentes activités. Ce qui est intéressant effectivement aussi en termes d'évaluation, c'est que si l'activité au niveau du centre hospitalier se réalise effectivement avec une population qui est atteinte d'un handicap psychiatrique, eh bien à l'extérieur, elle se déroule avec d'autres publics plus ou moins en grande précarité, mais ce qui veut dire qu'effectivement nos usagers réussissent à retrouver un sens collectif. À retrouver, à s'insérer dans le collectif. Et ça, c'est pour nous, c'est aussi une victoire. C'est une victoire pour les usagers, mais c'est aussi une victoire pour nous. Donc voilà, le projet prend du sens et c'est ce qui nous est important et que les enseignants donnent du sens à leur action. Voilà, c'était vraiment ce qui nous importait au moment du recrutement. Merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous exprimer peut-être les difficultés que vous avez? Est-ce que vous avez eu des difficultés à recruter? Et dans votre recrutement, est-ce qu'il y en a certains où vous avez dit ben non, ça va pas aller? Ça va pas, comme on dit dans le langage courant, ça va pas le faire. Est-ce que vous avez été confronté à ça? C'est la première question. Je vais les dire à la suite. La deuxième, c'est vous parlez d'adaptabilité. Alors, est-ce qu'il s'adapte alors au public, bien sûr. Est-ce qu'il s'adapte à ce qui est proposé par votre structure, hein? Et quelle est la place, quelle place à leur initiative vous laissez? Qu'est-ce qu'ils apportent, la plus-value? Et donc, surtout les difficultés que vous avez rencontrées. Et avec, alors effectivement, il y a du succès, mais est-ce qu'à un moment donné, vous dites, bien en fait, on a eu cette expérience-là, et si je dois recruter une autre personne encore, eh bien, je vais peut-être aller chercher ça en plus que je n'avais pas avec celle que j'avais à l'instant. Alors, ce qu'on cherchait de manière globale, quand même, c'est d'une certaine manière la compétence technique. Je l'ai évoqué, on avait des infirmiers qui avaient été sensibilisés aux activités APA, qui avaient un premier niveau de formation, mais donc ils assuraient des activités, mais on voulait aller plus loin et pas faire d'impair. Et donc, effectivement, on voulait des professionnels pour assurer cette activité. Et effectivement, au moment où on a recruté, c'était assez compliqué parce que d'une part, on avait des personnes qui étaient déjà employées par ailleurs. Je vous l'ai dit, on a privilégié, nous, le recrutement de deux mi-temps. Alors, parce que j'imaginais effectivement que les personnes avaient déjà une activité, c'est un peu ce que j'avais observé, parce qu'on a un groupement d'employeurs et donc j'ai pris contact avec lui. Et donc effectivement, souvent les enseignants ont des activités un peu multi-employeurs, un peu saucissonnées. Donc je me suis dit, ça peut finalement correspondre aux attentes des salariés. Et en même temps, pour nous, ça nous permettait effectivement d'articuler les demi-temps et d'avoir des plages peut-être plus larges. Et en fait, on s'est aperçu que c'était pas si facile que ça parce que, effectivement, articuler à la fois des mi-temps et des quotités de temps de travail, donc ça demandait un peu de gymnastique. Et là aussi, certains ont accepté de s'adapter à nos horaires et à nos organisations. En même temps, on voulait vraiment des professionnels du sport santé
parce qu'on a eu aussi des personnes qui se présentaient qui avaient plutôt un profil éducateur, social. Alors c'est important que nos enseignants APA aient aussi cette, comment dirais-je, c'est un peu cet esprit, cette, enfin, à la fois apporter de la technicité, mais ce côté humain, ce côté relationnel, ce côté un peu social. Mais en tout cas, ce qui prime, c'est vraiment cette approche qu'ils ont pu, cette approche technique qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur formation, en complémentarité, nous, de l'approche clinique qu'on peut apporter. Et effectivement, on n'a pas donné suite à des personnes qui venaient du secteur social. Voilà les difficultés en termes de plus-value. Effectivement, ce qu'on attendait, c'est qu'ils donnent du sens à leur activité. On imaginait que leurs compétences techniques allaient, d'une certaine manière, apporter une certaine sécurité dans l'exercice qui allait être réalisé. Et puis qu'ils avaient, compte tenu de leur formation, une diversité de propositions qui était bien plus importante que nos professionnels qu'on avait sensibilisés. Voilà, on était effectivement attachés à vraiment avoir des personnes qualifiées. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Monsieur Nicolas Marais. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, donc Nicolas Marais, président du comité régional olympique et sportif Normandie et président de la Ligue de Normandie de handball. Donc, bah, vous allez nous expliquer, alors peut-être pas en tant qu'employeur direct, mais le comité olympique et ses services, on va dire, déconcentrés, les CDOS, qu'est-ce qu'ils cherchent, puisqu'ils interviennent, hein, notamment ils recrutent les CDOS des éducateurs sur la santé. Et donc, est-ce que vous avez, en tout cas, des données qui nous permettent de dire quels sont les choix qui sont faits dans vos secteurs? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire que nous traversons, qui impacte tout le monde, il n'y a pas une journée où je rencontre pas une personne, que ce soit un jeune, une personne adulte, une personne âgée, qui me dise je ne peux plus pratiquer de sport et ça a un impact pour ma santé. Alors pas forcément des problématiques de santé, mais le bien-être physique, bien-être moral, bien-être social, parce que c'est la pratique sportive, c'est tout ça. C'est à la fois lorsqu'on, il n'y a pas que l'aspect compétitif, il y a l'aspect bien-être dans la pratique physique et sportive. On peut faire de la randonnée pédestre, de la marche à pied, du sport collectif, du sport de combat, de manière tout à fait en loisir et pour se préserver, être en bonne santé physique. Et on le voit depuis quelque temps avec les mesures sanitaires, c'est plus possible. Cette situation va aggraver. Va impacter la santé physique, morale, sociale et psychologique de nos jeunes, de nos personnes adultes et de nos personnes âgées. La santé est encore plus au cœur de l'actualité sportive. Moi, je représente le mouvement sportif et on doit, en tant que président de ligue, en tant qu'élu au niveau des fédérations, de la fédération de hand et président du cross, intégrer dans nos projets. Le développement de la pratique du sport santé au sein de nos disciplines. Et on le voit en même temps que pour les disciplines sportives structurées qui ont des organismes de formation, ce sont des organismes de formation tournés sur la formation pour entraîner, former les jeunes sur la pratique sportive compétitive ou les adultes, former sur les nouvelles pratiques, un petit peu sur la pratique sport santé, mais pas très développé. On le voit, quelles que soient les disciplines. Moi, la première, on n'est pas très axé. Et dans le même temps, de plus en plus de personnes adultes recherchent une pratique sportive, pas intensive, mais pour continuer à être en bonne santé. Parce qu'on le voit aujourd'hui, on est de plus en plus sédentaire, on travaille dans les bureaux, enfin, il y a de moins en moins d'activités physiques dans la vie quotidienne. Donc, il y a ce besoin qui se fait ressentir de pratiques sportives. Donc, on doit réfléchir au niveau du cross, au niveau du CDOS, en lien avec toutes les disciplines sportives, comment on peut mettre en place une formation à destination des éducateurs, des entraîneurs dans les clubs, pour qu'ils se spécialisent dans le développement de la pratique du sport santé.
Alors, pas sur l'aspect guérison, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Et d'ailleurs, moi, je salue au passage qui est fait par la ville de Caen, parce que qui a été une des premières municipalités en 2014 à intégrer ce dispositif de sport. C'est une ville sportive au sens large, quand on voit le travail qui est fait au niveau de la construction des équipements sportifs. Donc je salue ce qui est fait à la ville de Caen. Mais au niveau du mouvement sportif, on doit mettre en place des formations auprès de nos éducateurs pour qu'ils intègrent dans leur travail, dans leur mission, le développement de la pratique sportive dans le cadre du sport santé. Alors, c'est à la fois attirer de nouveaux publics, parce qu'on le voit aujourd'hui, il y a une évolution au niveau du sport. Notre cœur de métier, c'est bien sûr la pratique compétitive, essayer de détecter des jeunes pour les licencier, qu'ils progressent, qu'ils alimentent nos différentes équipes de France, qu'ils évoluent au plus haut niveau. Objectif de formation et également objectif de développement des nouvelles pratiques. Et dans ces nouvelles pratiques, doit être intégré, le sport santé. Hein, donc, et on doit à travers ça, au niveau du cross, coordonner une formation sur la thématique du sport santé, donc à définir avec les services de l'État pour définir les axes précis sur lesquels on doit assurer la formation de nos éducateurs, pour qu'en retour, on ait dans nos clubs des éducateurs formés sur cette thématique qui puissent déployer le développement d'une pratique sportive. Ça peut être le handball, le judo, l'athlétisme, peu importe la gymnastique, peu importe la discipline, mais qui est une thématique commune liées au sport santé pour permettre à des personnes adultes qui ne pratiquent pas d'activité physique régulière, mais qui ont envie de prendre plaisir à une activité physique en lien avec ce qu'ils aiment, d'aller dans un club et de pratiquer 1h30, 2h par semaine cette activité physique et ainsi de préserver un bon état physique et aussi renforcer le lien social, parce que lorsqu'on est plusieurs à pratiquer une activité physique, et bien on a un échange, on a un lien social. On a des moments de convivialité. Je crois que la vie est faite d'échanges, de liens sociaux, de partage, et c'est tout ça qui doit participer un petit peu au bien-être de chacun. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. En vous écoutant, j'ai une question qui me vient. Alors, effectivement, le mouvement sportif est plutôt sur une entrée activité, en disant comment mon activité, ma discipline, je vais l'adapter à des nouveaux publics. Donc il y a une volonté de se former sur la santé pour accueillir des nouveaux publics. Est-ce que le mouvement sportif, quelle que soit la discipline, s'est posé la question de la manière dont est, comment dirais-je, je ne trouve pas le terme, mais dont est encadrée ou est pratiquée la discipline sur des pratiquants qui sont déjà dans vos structures? Est-ce que les éducateurs sportifs se posent la question de est-ce que mon intervention, là, quand j'entraîne des jeunes, où je fais, est-ce que j'ai dans la tête la santé, c'est-à-dire est-ce que ce que je fais, est-ce que je suis sûr, même si je ne suis pas dans une démarche santé volontaire, est-ce que je suis sûr que ce que je fais n'impacte pas sa santé? Est-ce qu'ils sont dans cette configuration-là? Alors, je crois que dans les formations qui sont mises en place aujourd'hui par les organismes de formation des fédérations relayées par les ligues, c'est pris en compte quand même. Il y a des formations spécifiques sur l'entraînement des jeunes qui sont différentes, bien sûr, lorsqu'on entraîne un jeune de 4 ans sur le baby hand ou le baby judo, on va pas faire la même chose qu'entraîner un jeune de 13-14 ans. Donc toutes ces différences sont prises en compte aujourd'hui dans les formations de nos éducateurs, de nos entraîneurs, quelle que soit la discipline. Ça, ça a évolué depuis plus d'une Olympiade et ça, c'est réellement pris en compte. Moi, je le vois pour la discipline que je représente en tant que président. Il y a des formations dédiées aux éducateurs liés à la pratique du baby hand et à la pratique du hand fit, qui est un peu la pratique sport santé. Les éducateurs qui sont reconnus sont ceux qui ont suivi une formation dédiée à ces pratiques, hein, parce que c'est des formations spécifiques. Et on doit, si on veut rendre ces formations crédibles, avoir des éducateurs formés. Parce que c'est hyper important déjà pour pas faire n'importe quoi sur la pratique, mais aussi pour rendre crédibles nos pratiques. Oui. Alors ça revient, c'est vrai, effectivement, à toutes les questions qu'on se pose. Il faut être formé, c'est indéniable. Et j'ai toujours pas la réponse. Formé à quoi? Parce que l'orientation qu'on va prendre pour former, est-ce que la compétence, comment m'exprimer, elle est liée à l'environnement
dans lequel je vais évoluer, et donc je vais me former pour m'adapter, justement, comme disait M. Bourdon, à cet environnement. Est-ce que la compétence se construit comme ça, parce que j'ai cet objectif-là, ou elle se construit à partir de connaissances que je vais être en mesure de mobiliser à un certain moment en fonction de l'environnement dans lequel je serai. C'est ça la difficulté, en fait, pour former. Est-ce que je forme à du handfit, je vais caricaturer, ou est-ce que je forme à autre chose? C'est ça la difficulté. Oui, mais quelle que soit la discipline, je crois qu'aujourd'hui, je vous dis, je représente le mouvement sportif. Pour une discipline, si elle concentre son activité uniquement sur le sport compétitif, elle va perdre des licenciés. Très clairement, elle va stagner et elle va régresser à un moment donné. Il faut bien sûr conserver ce cœur de métier à l'activité sportive compétitive, c'est indispensable, mais il faut aussi ouvrir son champ d'action vers les nouvelles pratiques, que ce soit les pratiques en destination des personnes handicapées, qui sont largement développées, hein, qui sont structurées, qui se structurent, mais également sur la thématique du sport santé. Et aujourd'hui, moi j'ai des demandes dans certaines communes, des élus qui proposent au club que des éducateurs se forment pour intervenir sur cette thématique-là. Donc il y a une demande, parce qu'aujourd'hui, on a une population vieillissante dans notre région, il faut le reconnaître, et il est important pour préserver la bonne santé de pratiquer une activité sportive adaptée, c'est pas le tout de faire n'importe quoi. Donc il faut qu'on ait dans notre maillage territorial des éducateurs formés qui peuvent encadrer une pratique sportive adaptée pour notre population jeune et puis adulte et retraitée, bien sûr, ça concerne tout le monde. Parce qu'on a aussi un décalage. Alors, je m'interroge toujours sur l'émergence des salles, et c'est pareil, c'est pas une critique, hein, c'est l'émergence des salles de remise en forme où les gens prennent des abonnements, ils vont quand ils veulent, c'est ouvert 24 heures sur 24, ils y vont parce qu'ils pensent qu'ils y vont pour leur santé, parce qu'ils vont transpirer pendant une heure, ils vont utiliser le matériel comme ils le peuvent, et ils se disent « moi je fais de la santé ». On n'est pas sûr. Alors comment faire passer un message auprès du public? Parce qu'on le fait passer auprès des encadrants en disant « faut se former », mais comment faire passer un message auprès du public en disant « eh bien, si on veut agir sur la santé, il faut aussi savoir comment je vais agir sur ma santé ». Et pour ça, il faut s'adresser peut-être à des professionnels qui seront en mesure, en tout cas, de les orienter. On verra d'ailleurs Madame Evangelina qui va pouvoir nous expliquer d'ailleurs si on peut faire. Mais je vous laisse répondre. Hein. Mais Evangelina nous transmettra les raisons pour lesquelles elle est venue en France chercher des compétences alors qu'elle vient d'Argentine. Est-ce que vous vouliez répondre quelque chose, Monsieur Marais? Non, mais là-dessus, je vous rejoins. Et c'est pour ça que le CROSS a pour objectif de développer cet organisme de formation sur des formations dédiées au développement du sport santé, donc à définir avec les services de l'État sur les thématiques précises. C'est pour concrétiser ce que je viens de dire, c'est pour avoir des éducateurs dans notre région qui soient formés et qui soient compétents pour assurer une pratique sportive, quelle qu'elle soit, dans le cadre du sport santé auprès de notre population. Ça, c'est hyper important. Et on le voit qu'on est aujourd'hui, il y a une demande. Il y a une demande, mais il n'y a pas assez d'éducateurs, d'encadrement qualifiés pour cette pratique. Alors, il y a effectivement une demande, et peut-être que le public, de manière générale, n'a pas forcément identifié que la réponse se trouve dans les associations sportives. Peut-être. Peut-être qu'il ne voit pas là, notamment quand on avance en âge. Vous avez 65 ans, 70 ans, vous n'avez jamais fait de sport. Votre médecin vous dit... ce serait peut-être bien d'aller faire un petit peu d'activité physique. Est-ce que je vais aller, excusez-moi, je prends votre exemple parce que vous parlez du handball. J'ai un club de handball à 100 mètres de chez moi. Est-ce que c'est là? Est-ce qu'instinctivement, il va se dire « Ah, mais je vais y aller parce que c'est bon pour la santé ». Mais c'est ça la difficulté. Non, pas forcément. Il faut déjà qu'il y ait une pratique développée avec éducateurs formés. On a le PGV qui est très développé en Normandie. Je crois qu'il y a plus de 30 000 licenciés dans cette discipline. Et une fois qu'on aura... mis en place cet organisme de formation, un nombre d'éducateurs formés de manière importante, on pourra développer un maillage territorial et aussi développer cette communication. Parce que moi, je suis issu d'un milieu rural. Et quand on est issu d'un milieu rural, c'est pas facile déjà d'avoir une pratique sportive parce qu'il y a moins d'offres que dans les grandes villes. Et c'est encore plus difficile que d'avoir une pratique sportive dans le cadre du sport santé pour maintenir une bonne santé physique. Donc il faut, et là-dessus, il faut avoir une vision globale sur toute la Normandie. Oui, juste
pour rebondir sur ce que vous disiez, sur comment mieux s'informer, mieux savoir où pratiquer. Je crois, enfin, selon moi, c'est aussi tout l'enjeu de la mise en place des maisons sport-santé dont on parlait ce matin, donc Madame Gauthier parlait ce matin. Enfin, je sais que nous, sur Caen, on a commencé à bien avancer sur ce projet. Et l'enjeu, c'est justement de pouvoir mieux informer la population sur les possibilités de pratique, mais aussi sur le volet formation. Enfin, voilà, c'est de mettre en réseau, j'en parlais tout à l'heure, tout l'enjeu il est de la mise en sur la mise en réseau des différents acteurs et sur comment mieux informer les différents publics sur les possibilités d'offres. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais depuis qu'on parle de santé, on est quand même assez aimanté par le côté médical, pathologie. Je sais pas, on est aspiré par ça. Hein. Sauf qu'il y a des personnes qui ont 70 ans, qui n'ont pas forcément de pathologie et qui n'ont jamais fait d'activité et qui n'osent pas aller dans une structure associative. Vous avez 70 ans, si vous rentrez en disant « je veux être trésorier », peut-être que ça va tirer. Mais si vous dites « je veux être pratiquant », là, on va peut-être coucher les oreilles en disant « j'espère que tu as un bon niveau, parce que sinon, tu vas aller dans un créneau pour les vieux. » Donc ça, et puis on parle de l'activité physique, mais vous parlez du milieu rural, il y a des gens qui sont isolés, hein, qui ont envie, ben, l'isolement, ça fait partie aussi. Vous prenez des gens qui sont en EHPAD, vous les interrogez, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Je suis tout seul. Il y a 100 résidents. Ils mangent le midi tous ensemble. Et ben, je suis tout seul. Hein. Donc, tout ça, c'est des questions qui nous ramènent à la compétence et surtout à l'offre. La compétence, l'offre, et puis pourquoi faire ? Et Angelina, peut-être, pourra nous témoigner ce qu'elle est venue chercher. Vas-y, Angelina, présente-toi. Bonjour à tout le monde et merci aussi pour cette invitation. En fait, juste parce que je suis d'abord mariée avec un beau Normand, ça fait presque 20 ans déjà. Alors, ayant la possibilité de faire un changement de vie juste pour que la situation dans mon pays n'est pas la meilleure, on s'est dit, on va faire ce changement. Faut dire que moi, il y a 10 ans, je fais un grand changement de vie. D'abord, je suis animatrice radio-télé à la base et j'ai eu un moment de transition où je me suis dit, j'ai besoin de changer de vie parce que j'étais en surpoids. J'ai perdu 21 kilos avec un bon coach sportif qui était nutritionniste. Et je me suis dit, je ne peux pas rester sur « si je peux, tu peux ». Donc, je suis allée chercher des compétences d'abord à Buenos Aires, où je fais ma carrière, et mon professeur de préparation physique avait comme élève un médecin qui s'occupait justement dans sa pratique de prendre en charge des personnes qui avaient besoin soit de changer de qualité de vie, soit d'améliorer leur qualité de vie pour vivre avec leur pathologie. Donc tout de suite, j'ai développé mon activité pendant 5 ans dans ce cabinet où je faisais partie d'une équipe pluridisciplinaire. On était 5 entraîneurs et il y avait une nutritionniste, une psychologue et le chef de service qui était mon chef. Quand on avait décidé de déménager, j'ai voulu amener ce bagage, sachant que, pour que vous sachiez, la France était le seul pays d'Europe qui ne reconnaissait pas mon diplôme. Donc, d'abord, pour pouvoir exercer dans la légalité, il fallait chercher ces diplômes. Et c'est grâce à ça que, quand j'ai fait l'épreuve, les TEPS, il y aura pas mal des éducateurs sportifs qui vont se reconnaître. J'ai rencontré quelqu'un de très spécial. Après, bon, vous verrez qui sera. J'ai pu entrer en formation au CNR des Normandies. Et c'est là que toute ma vie a commencé parce que, en fait, j'ai entré en formation 3 mois après être arrivée en France. Donc, ma vie sociale et ma vie professionnelle ont été construites grâce à ce parcours. Et ce parcours, qu'est-ce qui m'a apporté ? En plus de cette expérience sur le terrain que je voulais amener grâce à ce médecin, j'ai voulu apprendre à connaître la société française, connaître les différents publics, comment étaient abordées de façon professionnelle ces différentes pratiques. Parce que chez nous, ce n'est pas que tout est cloisonné, c'est complètement le contraire en fait. Ici, je trouve qu'au niveau culturel, tout est labellisé.
tout doit être dans chaque case. Et moi, je venais avec une expérience où je me trouvais que je faisais des choses de sophrologie, des choses de gymnastique posturale, je faisais du kickboxing. Donc, il fallait trouver une place pour tout ça. Et quand j'ai choisi mon diplôme, j'ai suivi une formation de BPJEPS, activité physique pour tous, qui collait avec ce que j'avais envie d'apporter en contrepartie dans ce nouveau pays. Et je me retrouve aussi, il y a plein d'échos par rapport aux problématiques que vous êtes en train d'exprimer. Pour moi, l'essentiel est la communication. Parce que nous, en tant qu'éducateurs sportifs, en fait, par expérience, je vous dis, en plus de professionnels dans l'activité physique, nous sommes des communicateurs et nous sommes un outil qui est sous-évalué. Nous pouvons être vraiment, par rapport aux professionnels de santé, on peut marcher, on peut travailler pour être un pont entre les pratiquants, les patients, dénominez-les comme vous voulez. Et nous pouvons être une source d'information parce que, bien sûr, les pratiquants vont se confier beaucoup plus avec nous qu'avec un médecin dans un cabinet. Donc, nous, par exemple, après une séance, la séance typique à Buenos Aires, c'était une heure d'activité physique plus une demi-heure de relaxation ou de massage. Donc, oui, je fais des massages aussi. Et tout ça, ici, a dû être cloisonné. Donc, à chaque fois, quand on finissait une séance, on faisait un rapport de chaque patient. Parce que dans un entretien, notre chef faisait un profil de chaque patient. Il nous le communiquait et il nous disait de façon clinique, c'est ce qu'il fallait travailler. Est-ce qu'il faut travailler la force? Est-ce qu'il faut travailler plutôt le cardio? Est-ce qu'il y a une pathologie de base? Et selon ça, on a appliqué en ligne générale ce que lui nous demandait. Et à chaque rapport, on pouvait accompagner cette évolution. Donc, on travaillait de façon coordonnée l'aspect médical et l'activité physique pour qu'après, justement, le patient, en se sentant accompagné, il puisse acquérir dans son quotidien tous ces outils qu'il prenait dans l'espace médical. Donc, moi, bien sûr, je tiens à cœur tout ce qui est justement l'application, le changement de vie, faire de l'activité physique un quotidien, que ce soit vraiment comme s'asseoir pour regarder son émission préférée, comme s'asseoir manger. L'activité physique, en fin de compte, c'est à nous, en tant qu'acteurs sur les terrains, de pouvoir passer le message et être vraiment vecteur de l'information que le médecin veut transmettre à chaque patient et même les personnes sédentaires qui n'ont pas de pathologie aujourd'hui, mais qui peuvent justement devenir des futurs malades. Et c'est là aussi où il faut intervenir et c'est là aussi où on peut aider à cette prise de conscience. Il est là. Le grand travail, mais aussi communication, pas seulement entre professionnels et pratiquants, mais aussi entre secteurs, le secteur de la santé et le secteur de l'activité physique. Merci beaucoup, Angelina. C'est un retour d'expérience extrêmement enrichissant, en plus avec une maîtrise de la langue française et une qualité d'expression qui est très appréciable. On va enchaîner avec Bruno. Merci beaucoup. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Bruno Gramont et je travaille pour le service enfance jeunesse de la mairie de Gonfreville-Lorcher. Je suis coordinateur du secteur 13-25 ans. Alors, moi, je n'ai pas du tout la même entrée que vous sur la question de la santé. Et juste pour resituer le cadre de mon intervention et de ma présence, je ne me considère pas comme un spécialiste de quoi que ce soit. Je suis plutôt un touche-à-tout. Donc la question de la santé m'intéresse. Et puis les gens qui travaillent avec moi, donc l'équipe d'animateurs, ils sont comme moi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialistes de telle ou telle pratique. Ils sont plutôt généralistes. Et puis je pense aussi que dans le monde de l'animation, une des compétences que moi je recherche, c'est cette capacité à se décentrer et à pouvoir
aller voir ailleurs, notamment aller fouiller dans d'autres cultures professionnelles, ce qu'on peut y trouver pour justement pouvoir enrichir, alimenter ces mots, ces concepts qui parfois sont pas forcément audibles par tout le monde. C'est-à-dire que dans nos métiers, il y a souvent des mots concepts. Et puis parfois, on s'aperçoit qu'on parle pas forcément de la même chose. Et là, sur la question des compétences, c'est un peu ça. C'est-à-dire que pour moi, ce que je mets derrière le mot compétences, c'est à la fois un mélange de savoir technique, de savoir-faire, de savoir-agir, de savoir-être, de savoir-faire, mais qui en permanence doit être alimenté par ce que tu as dit tout à l'heure, par de la connaissance. Et la connaissance, il faut aller la chercher ailleurs, souvent. Et bien souvent dans des champs qui ne sont pas forcément les nôtres. Et c'est exactement cette dimension qu'on essaie de mettre en place avec l'équipe d'animateurs avec laquelle je travaille depuis plusieurs années sur la ville de Gonfreville-l'Orcher. Et puis, on travaille aussi sur des thèmes. Et c'est vrai que la santé, c'est un thème qui nous parle, puisque au quotidien, on a une activité qui fait qu'on est en contact permanent avec les jeunes, un peu moins aujourd'hui, surtout cette année avec le Covid. Je dis un peu moins parce qu'on a fait différemment. Et donc voilà, si je devais parler de compétences, l'une des premières compétences que je pourrais rechercher en tant que recruteur, d'animateur et d'éducateur sportif, c'est cette capacité à se décentrer et d'aller voir ailleurs. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait obstacle, bien souvent, au travail, notamment en partenariat et à la compréhension, c'est justement cette question des cultures. Des cultures professionnelles qui à la fois nous protègent, nous unissent, mais en même temps peuvent parfois nous séparer des autres. Et donc cette compétence, moi, que je recherche avant tout, c'est cette capacité, puis c'est aussi une qualité humaine, cette capacité à pouvoir mettre en doute même les certitudes qui peuvent être les nôtres, parce que c'est vrai que je crois qu'on est tous pleins de certitudes, qu'elles nous viennent des normes avec lesquelles on a grandi, qui nous viennent des cultures personnelles, des cultures qui sont liées à nos origines, et alors encore plus complémentées par les cultures professionnelles, notamment lors de nos formations. Et donc voilà, la question de la santé, je l'aborde différemment. Et mon cœur de métier, moi, aujourd'hui, c'est les ados, c'est les jeunes, et le sport, pour nous, c'est un outil. C'est un outil de plus, c'est un outil comme tous les autres outils culturels. Et quand je dis les autres outils culturels, c'est que là j'aborde un peu la notion, ma propre notion de ce que peut être la culture, c'est-à-dire que ce sont des objets qu'on a fabriqués pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir faire du social. Voilà. Et donc je pense qu'aujourd'hui, une des qualités que je voudrais chercher chez les animateurs que je recrute, c'est justement ça, cette ouverture vers la pluridisciplinarité. Et puis, cette capacité aussi, aujourd'hui, à aborder les jeunes, mais de manière vraiment globale. C'est-à-dire qu'on pense que, quand je dis « on », c'est mes collègues et moi, c'est-à-dire qu'on s'inscrit aussi dans ce qu'on a appelé, comme hier, une des collègues l'a dit, la recherche-action. On essaie de mettre en place en permanence des actions qui sont liées à ce qu'on a repéré, à ce qu'on a remarqué en termes de diagnostic. Et puis, on essaie à chaque fois de les évaluer et puis d'avoir une posture réflexive sur tout ça. Là, en tout cas, sur la question de la santé, pour les jeunes, on s'aperçoit que c'est un ensemble. Et c'est un ensemble, c'est une... Comment je pourrais dire ça? C'est une sorte de dynamique mouvante. Donc, ce n'est pas quelque chose de figé. Et donc, c'est une dynamique dans laquelle entrent tout un tas de paramètres, dont le sport, la famille, la scolarité, voilà, et entre autres. Et à ce niveau-là,
sur la ville dans laquelle je travaille, donc au niveau du service jeunesse, on a mis en place tout un tas d'activités, dont le sport, mais aussi des ateliers participatifs, des ateliers sur l'environnement, sur l'art. On essaie aussi de s'auto-former entre nous. Là, au mois de mars, on aura, avec la collaboration de des DCS, en fait, de la DRAGES, une formation sur l'accueil des publics des enfants et des adolescents en situation de trouble du comportement. Et puis, ce qui nous importe aujourd'hui dans le recrutement, c'est d'avoir des animateurs qui soient capables d'aborder, je vous dis, donc les jeunes dans toutes leurs dimensions, à la fois physique, sociale, familiale. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit pour nous l'outil sport, parce qu'il devient un outil comme les autres, comme le bricolage, comme la cuisine, qui permet à la fois de garder le lien ou d'en créer, et qui permet aussi de mobiliser et de remobiliser. Et je pense que tout ça fait partie des ingrédients qui nous amènent peu à peu vers la santé. Merci Bruno. Je voudrais faire intervenir l'ensemble des intervenants. Est-ce que vous trouvez, au regard des exposés de chacun, de leur environnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait consensus entre vous ? Aujourd'hui, au regard des champs sur lesquels vous intervenez, on voit bien des entrées médicales, des perspectives de formation, de modification, des nouvelles pratiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rassemble en termes de compétences ? Je vous laisse prendre la parole. Je crois que sur les trois exposés, c'est plusieurs exposés, cette volonté commune du bien-être pour tout le monde, alors à travers une approche différente. Mais je crois que là, on le voit, si on veut avancer, il faut. J'ai suivi hier une partie de votre webinaire. Il faut décloisonner les choses. On a tendance, chacun dans notre spécialité, à travailler sur notre cœur de métier, mais je pense qu'on a tout intérêt à partager nos expériences et à avancer ensemble, que ce soit le mouvement sportif, en travaillant bien sûr avec les municipalités, en travaillant au service des centres hospitaliers, parce que il peut y avoir des passerelles d'établis. Enfin, il y a une volonté commune d'avancer ensemble et de décloisonner notre fonctionnement. C'est comme ça que je le ressens. Oui, je voulais juste dire, pour compléter ce que vous venez de dire, c'est que cette volonté de décloisonner, elle est liée aussi, je pense, à un frein dans lequel il faudra mettre beaucoup d'efforts pour le lever. C'est toute la question de la légitimité, c'est-à-dire comment ça se travaille, qu'est-ce que c'est que la légitimité, comment on l'acquiert. Et donc là, du coup, ça fait forcément écho au contenu de formation. Mais aussi à la capacité de la structure ensuite qui accueillera le futur diplômé ou le futur éducateur, le futur animateur, à mettre en place aussi de la formation tout au long de la vie et pouvoir aller s'alimenter, comme je le disais tout à l'heure, dans d'autres champs professionnels. Puisque aujourd'hui, je pense que la clé c'est la globale, c'est-à-dire une approche globale et holistique. Oui, juste pour rebondir. Oui, je voulais rebondir. Pardon. Oui. Allez-y. Oui, juste pour rebondir sur la complémentarité. En fait, la complémentarité, la coopération, je pense que ce sont vraiment des enjeux actuels. Ce matin, j'entendais parler la différenciation entre les compétences nécessaires pour les éducateurs sportifs et les filières APA. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les clivages n'ont pas lieu d'être et on est vraiment sur la complémentarité, sur la coopération. Enfin, je vois, nous, au niveau de la ville, on reçoit des étudiants en STAPS suite au travail qui a été fait, encore une fois, grâce au comité de pilotage, puisqu'on a l'UFR STAPS, la fac de médecine. Et il y a un vrai travail en commun à mettre en place, à la fois un partage d'expérience des éducateurs qui ont une bonne expérience de terrain vers les étudiants STAPS, et inversement, parfois des apports théoriques des étudiants STAPS qui peuvent venir compléter le travail qui est fait par les éducateurs. Donc je pense qu'il n'y a pas de clivage aujourd'hui. Il y a un tel besoin que les différentes formations, la complémentarité des différents champs d'intervention, ça sera la seule solution pour pouvoir répondre à la demande et aux besoins de santé publique. Oui, et justement sur cette ligne, je voulais rebondir sur la légitimité, parce que en fait,
il faut déconstruire certaines idées. Nous, les éducateurs sportifs, peu importe les mentions des diplômes, nous devons travailler au-delà des 3 séries des 10 répétitions. On travaille avec des êtres humains. Donc, il faut aussi avoir une vision un petit peu plus globale de l'individu ou du groupe d'individus qu'on veut aider. Et ça aussi, ça va pour les pratiquants, pour mes collègues et pour les professionnels de santé. Et c'est là où on voit vraiment la complémentarité et cette légitimité. D'abord, de notre côté, de se dire oui, on est au-delà de ces 3 séries de 10 répétitions, et aussi par rapport à l'outil que nous pouvons apporter pour les autres disciplines. Juste si vous me le permettez, c'est vrai que je suis d'accord avec tout ce qui a été partagé. Effectivement, hein, c'est une approche vraiment holistique, systémique, complémentaire. On a cité le terme de décloisonnement, effectivement. Je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, la complémentarité entre, d'une part, la clinique et, d'autre part, la technicité, toutes les compétences du coordonnateur. De fait, si on se retrouve dans un système… moi, je voudrais terminer par une question. Alors, le temps, effectivement, nous permet pas de débattre, mais ça peut faire l'objet d'autres réflexions. Effectivement, si on se retrouve finalement dans un système, et plus particulièrement lorsqu'on parle de santé, être en santé, effectivement, c'est un tout, et c'est de plus en plus un parcours de santé. Et de fait, finalement, quelle est la place de l'éducateur, de l'enseignant APA dans ce parcours, et est-ce qu'il peut être finalement à la coordination de ce parcours? Est-ce que effectivement ces enseignants peuvent à un moment donné coordonner, compte tenu de leurs compétences, ces parcours? Nous en santé, on a dorénavant une notion qui arrive en France qui a été développée par ailleurs, qui s'appelle le case manager, sur l'accompagnement des personnes dans la cité, dans des parcours un peu complexes. Finalement, dans ces parcours de santé, finalement, est-ce que l'enseignant APA peut être à un moment donné un acteur, un véritable acteur de la coordination de toutes ces activités pour permettre aux usagers, à tout un chacun, d'être en santé? Voilà, je terminerai là-dessus. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est une perspective très intéressante de mettre l'éducateur au centre d'un dispositif, je vais dire, entre guillemets, médical. Mais je crois que Bruno, vous vouliez intervenir. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais je pense que ça tournait toujours autour de la légitimité et puis aussi de l'identité professionnelle. Moi, je me souviens quand j'ai passé un DGEPS il y a quelques années, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. De légitimité, d'identité professionnelle. Et c'est vrai que au départ, j'étais déjà coordinateur d'un secteur, et puis j'étais tellement pas à l'aise avec ça, avec cette notion, que j'hésitais à dire, en me présentant, ouais, je suis coordinateur. Mais en fait, j'étais pas le seul à être comme ça. On était 18. Sur les 18, on était 17 en poste déjà, et on avait tous en commun ce côté où on était pas tout à fait sûr de nous sur la question de la légitimité. Et c'est vrai qu'un an après, une fois avoir passé ma formation et puis avoir rédigé le mémoire avec quelques mois de retard d'ailleurs, eh bien, quelques années après, je pense que là, aujourd'hui, je suis en mesure de dire que effectivement je suis légitime et je sais pourquoi je le suis. Mais c'est-à-dire que c'est à chaque fois, comme le parcours de santé, je pense que c'est une dynamique progressive. Et que ce n'est pas un état, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et je pense que ça, dans les dynamiques de formation, je pense qu'il faut y consacrer quand même un certain temps, quoi. Angelina, non, j'avais eu l'impression que tu voulais intervenir. C'est juste pour ajouter qu'en fait, cette légitimité dont M. Grammont en parle... Oui, ça commence par soi-même, mais il y a aussi toute une construction sociale. Comment on est perçu, comment chaque profession est perçue au niveau sociétal. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important aussi le regard des autres au niveau professionnel. Comment on fait pour justement être un outil des médecins si eux, ils ne font pas appel à nos services, par exemple. Donc, comment les gens
peuvent avoir confiance en notre travail si, par exemple, leurs médecins ne leur disent pas « allez voir un éducateur sportif pour justement pour faire votre démarche. Vous n'êtes pas seul. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. » Parce que c'est ça, les personnes fragiles, peu importe physique, physiologique, psychiquement, ils ont besoin d'être accompagnés. C'est pas par rapport, ils sont pas proactifs. Et c'est là où nous pouvons intervenir. Oui, alors je pense que après la formation, la lutte continue. Je pense que c'est un combat de tous les jours. Et je pense que suite à ce qu'on vient de se dire là sur la légitimité et l'identité, après, c'est pas facile ensuite de lever les cloisons que constituent les représentations hiérarchiques des différentes professions. Je vais prendre juste un petit exemple. Si on est que j'ai connu déjà il y a plusieurs années, autour d'une table, quand on se présente, alors il y a l'infirmière, ah bon, il y a l'éducateur spécialisé, ah ouais, d'accord, et puis là, il y a le médecin, oui, toi, t'es animateur, ouais, d'accord. Mais voilà, donc il y a déjà une hiérarchisation qui se fait. Après, je pense que quand on a réfléchi à tout ça, il y a quelque chose qui peut s'opérer, et je vais peut-être être un peu provoque en le disant, mais il y a une décomplexification qui doit s'opérer, c'est-à-dire. Là, aujourd'hui, je suis ici, on parle beaucoup de sport, de soins, et je me sens légitime à être ici aujourd'hui. Mais il m'a fallu du temps pour pouvoir le faire. Et vous disiez tout à l'heure, quelle légitimité on a quand, par exemple, un médecin ne nous conseille pas parce qu'on est éducateur sportif. Moi, je voudrais juste citer en exemple une formation à laquelle j'ai eu la chance de pouvoir participer en 2018, qui était vraiment je trouve que c'est une formation exceptionnelle. C'est un diplôme universitaire à Paris sur l'approche psychopathologique et éducative des adolescents difficiles. Et juste pour vous donner la photo, on était 120 à peu près. Sur les 120, il y avait un animateur, c'était moi. Tout le reste, c'était des psychiatres, des médecins, des chefs de clinique, des chefs de la police, des principaux, voilà. Et donc voilà, je pense que après la formation, la lutte continue. Et puis il faut pas lâcher, quoi. Je suis d'accord. Juste intervenir, je veux pas jouer la mouche du coche, mais effectivement dans ce débat, je sais plus à quel moment finalement on a glissé sur la légitimité, mais en même temps, effectivement, je suis un peu troublé par ce débat parce que finalement, j'ai l'impression que derrière ça, c'est plutôt la question de l'accessibilité finalement des uns et des autres, enfin des usagers à l'activité physique ou au sport. Et finalement, je trouve finalement qu'on habite un beau pays parce que finalement, vu le nombre d'associations sportives, vu le nombre de bénévoles, vu aujourd'hui la mise en place des centres de ressources sport santé. Vu le développement du sport sur ordonnance, finalement, même en milieu hospitalier, je vois le développement de véritables politiques et que les médecins prescrivent facilement l'activité physique et sportive. Finalement, et j'ai jamais vu un médecin véritablement refuser une prescription de sport ou alors essayer de finalement d'orienter plutôt le patient, l'usager vers une activité même de marche plus souple ou autre, etc., compte tenu de ces problèmes. Et finalement, de fait, les professionnels aujourd'hui qui font partie des réseaux et qui s'identifient, finalement, d'une certaine manière, sont légitimes de la part des cliniciens, des médecins ou des autres organismes. Donc, finalement, je suis un peu troublé par ce débat et je trouve que, pour moi, il n'y a pas de problème réellement de légitimité. Effectivement, je suis d'accord sur le fait que l'expérience fait que
au fur et à mesure, on peut être un peu plus crédible ou peut-être plus performant dans son approche et dans l'accompagnement des personnes. Effectivement, tout à l'heure, on évoquait les salles de sport qui s'ouvrent. Et là, effectivement, il faut être vigilant. Et je suis d'accord avec cette approche assez ouverte. Et l'éducateur, le prof de sport, le moniteur, peu importe, il est là pour évaluer le besoin. Et c'est là où, effectivement, toute sa compétence est importante, à la fois en amont et en aval, pour ce que me disait Evangelina. Je pense qu'effectivement, c'est vraiment là où il peut accompagner au mieux la personne. On n'a pas forcément parlé de la diététique ou autre, etc., mais tout ça est lié. Mais en même temps, dans cette légitimité, moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat. Enfin, je trouve que les moniteurs, aujourd'hui, sont d'une certaine manière légitimes. Après, effectivement, au fur et à mesure de l'expérience, tout ça, ils développent de la compétence. Mais en tout cas, je voulais insister sur le fait, le message que je voulais faire passer. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, à l'échelle des territoires, c'est ce qui a été évoqué aussi dans cette rencontre, c'est qu'il y a de véritables partenariats, des déclenchements. Il faut continuer à travailler dans ce sens-là pour vraiment être en appui auprès de l'ensemble des usagers et que, de fait, finalement, on va augmenter le niveau de santé des populations. J'attire votre attention sur le fait du développement, par exemple, du vélo électrique ou autre, etc. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne faisaient jamais de vélo, qui ne faisaient jamais d'activité physique, et par ces dispositifs, en font de plus en plus. Et on a des villes aujourd'hui qui développent ces dispositifs. Et tout ça fait que j'ai l'impression en France, effectivement, il y a de véritables politiques. C'est une des rares fois où finalement, il y a une véritable articulation des différentes politiques, de l'État, de la santé, etc. Et je pense qu'il faut vraiment travailler dans ce sens-là et travailler ensemble autour de cette problématique. Je pense que ce n'est pas la légitimité qui est en cause. Je pense que c'est la crédibilité. On est d'accord. Parce qu'ils sont tous légitimes pour agir, mais ils ne sont pas forcément crédibles. Et donc, ils ne sont pas forcément identifiés par l'ensemble des acteurs, par l'ensemble, comme des acteurs incontournables pour agir. C'est ça le problème. Et que parfois, le diplôme donne de la crédibilité parce qu'on va agir là-dessus. Et c'est ça, en fait, qui pose problème, plus que la légitimité. Mais moi, je ne parlais pas forcément des éducateurs sportifs, je parlais des animateurs. Et puis, je me réfère aussi à une parole de la représentante hier de l'ARS qui a dit que dans le secteur de l'animation, on a toute légitimité à pouvoir aussi aborder ces questions de santé. Et j'étais très content d'entendre ça. Juste peut-être une petite précision, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que quand on a mis en place le sport sur ordonnance au niveau de la ville de Caen, c'était une de nos craintes de ne pas avoir de prescription médicale finalement. Et en fait, très vite, ça s'est mis en place et je pense que c'est issu du travail qui a été fait en amont avec le comité de pilotage dans lequel participaient l'Ordre des médecins, l'Union des médecins libéraux, enfin tout le monde médical, il y avait le CHU, la faculté de médecine. Je pense que le travail en réseau, en partenariat, en amont, a permis de rassurer aussi le monde médical sur ce qu'allait être proposé aux bénéficiaires. Et aujourd'hui, presque la moitié des médecins potentiellement prescripteurs sur Caen et sur les environs prescrits. Donc c'est rassurant et du coup, je ne pense pas que la crédibilité soit remise en question de ce point de vue-là. Mais la question que je me pose, c'est on parlait du milieu rural. Et comment ça se passe en milieu rural? Est-ce que le médecin, si je fais référence à ma situation géographique, on a un médecin pour 20 cantons. Un médecin pour 20 cantons. Je ne sais pas s'il est dans cette démarche de pression d'activité physique sur des personnes vieillissantes. Je ne sais pas comment ça se passe. Comment on les implique là-dedans? Parce qu'on voit souvent les grandes villes, mais le milieu rural. Oui, mais là, on aborde plus un problème de désertification rurale, les problématiques de manque de services publics dans les zones rurales. Mais je pense que s'il y a un échange, une communication entre le médecin et les associations sportives ou communales qui développent ces pratiques sport-santé, je pense que le médecin, à mon avis, il n'y aura aucun souci pour qu'il prescrive. S'il y a ce travail collaboratif entre les associations, le médecin, la commune ou le PCI, je pense qu'il faut vraiment y intégrer les élus, les praticiens de santé, les associations sportives habilitées, et c'est de cette manière qu'on avancera. Mais il ne sait peut-être pas que ça existe. Oui, mais on va avancer, on va construire ensemble. Quand.
Il nous reste un petit quart d'heure, donc on a largement le temps de peut-être répondre aux questions. Est-ce qu'on a beaucoup de questions? Oui, effectivement, il y a quelques questions. Est-ce que mon micro marche? Oui, merci. Donc, du coup, on a quelques questions. Donc, par rapport à cette relation sur le monde médical et le monde sportif que Mélandine avait posé comme question, je pense que là, on vient d'y répondre. Donc, on va passer à la question de Dylan. Donc, Dylan demande... bonjour, vous avez parlé des formations éducateurs spécialisées dans la santé. Effectivement, je pense que c'est l'avenir de nos associations. Mais comment la rendre populaire dans les petites structures et à quel coût? Dans leur globalité, les associations n'ont pas les moyens pour former et embaucher des éducateurs autant qualifiés. Y a-t-il des aides, des formations moins onéreuses, la santé au cœur de l'ensemble des formations, animation, BAFA, certificat fédéral, diplôme d'État? C'est toutes ces questions que Dylan se pose. Donc je vous laisse du coup répondre si quelqu'un a des éléments. Moi, j'ai évoqué le champ des formations fédérales. Oui, il peut y avoir des aides. Et on voit aujourd'hui que des éducateurs formés sur ces thématiques, il y a une collaboration avec la collectivité, avec des mises à disposition auprès des missions communales, que ce soit sur le sport à l'école ou sur le sport santé. Donc ça permet cet accompagnement financier et cette polyvalence dans la fonction d'éducateur permet aussi la pérennisation de son poste. Et les formations fédérales, aujourd'hui, elles sont, alors c'est sous couvert des fédérations des ligues, moi je parle pour la mienne, elles sont quand même accessibles financièrement aux structures, aux clubs. Il y a l'ex-NDS, l'ANS, l'Agence nationale du sport, qui permet de doter les clubs financièrement sur les actions de formation, de structuration du club. Donc si le club a la volonté de s'engager dans cette démarche, je pense qu'en lien avec la Ligue et la Fédération, il y a moyen d'y arriver. Et le tout, c'est qu'il y ait cette communication permanente entre les structures clubs, collectivités et échelons fédéral. Merci. J'ai une autre question de Cossy. Il nous demande si le pratiquant sport santé recherche une activité qui s'adapte à ses attentes, doit-il nécessairement s'orienter vers une association sportive affiliée à une fédération unidisciplinaire et se licencier? Quand les fédérations s'engagent dans le développement d'activités fit, ne sont-elles pas toutes la même chose, il se demande. Et les compétences sport santé sont-elles transversables ou spécifiques à une discipline? Moi, je défends le mouvement sportif, donc j'ai tout intérêt à ce que les personnes adultes qui viennent pratiquer une pratique sportive, elles adhèrent à un club. Et au-delà de la pratique sportive, le club, c'est cette structure qui crée le lien social, cette convivialité, cet échange. Et aujourd'hui, on souffre de quoi? D'isolement. Donc il faut recréer ce lien. Donc moi, j'invite vraiment les personnes qui souhaitent pratiquer, effectuer une pratique sportive dans le cadre du sport santé, à faire une démarche d'inscription vers un club. C'est structuré, ça garantit aussi, lorsqu'elle est habilitée, un encadrement de qualité. Donc ça me paraît important. Je vais rebondir. Du coup, il y a une question qui de Mélandine. Donc, n'est-ce pas justement aux fédérations de communiquer auprès des publics et de mettre en avant le sport santé et non pas le sport de compétition? N'est-ce pas cette conception de sport de compétition qui est encore ancrée dans les esprits et qui empêche le développement du sport santé? Non, l'un est complémentaire de l'autre. Et je pense que, quelle que soit la discipline, il faut toujours avoir cœur de métier. Je parle au niveau du sport. C'est effectivement à la fois tout ce qui est développement de la pratique, le haut niveau, les championnats. Mais je vous l'ai dit, c'est élargir notre champ d'intervention sur les nouvelles pratiques et sur le sport santé. Aujourd'hui, quasiment toutes les fédérations sportives agréées développent un axe important sur le développement du sport santé. Donc après... Suivant les disciplines plus ou moins structurées, la communication est plus ou moins bien faite. Mais on tend vers une meilleure communication, une meilleure offre sur la thématique sport-santé dans les régions. Merci. Bon. Alors, je voudrais intervenir, si vous permettez. Je voudrais juste dire deux mots. Le premier, c'est effectivement, je pense qu'en termes de communication, je pense qu'il est important... d'indiquer finalement plus en plus et de communiquer autour des bénéfices. On l'a déjà fait, mais les bénéfices du sport et de l'activité physique, j'insiste sur l'activité physique, je vais y venir, sur la santé. L'OMS a
a sorti un certain nombre de publications, a colligé certaines publications, et on démontre effectivement à la fois sur le plan somatique, sur le plan psychique, et effectivement d'une certaine manière aussi après sur le plan social, les bienfaits. Pour vous donner un exemple, sur les personnes qui prennent des antidépresseurs, aujourd'hui, alors je ne sais plus le nombre d'activités, mais quelques heures d'activité par semaine permettrait de diminuer de moitié les tonnes d'antidépresseurs qu'on consomme en France. Mais voilà, j'ai plus les chiffres exacts, mais en fait, quand on regarde ces publications, elles sont consultables sur le site de l'OMS, on est surpris par les vertus et les bénéfices. Ça, c'est un premier point, et je pense qu'il faut communiquer sur ces sujets-là. Et deuxième point, il y a peut-être quelque chose qui tourne autour de la présentation des choses. Effectivement, on parle beaucoup de sport santé. On évoquait tout à l'heure dans le milieu rural ou autre, et on a évoqué la population des plus de 60 ans ou autre, etc. Effectivement, je pense qu'à un moment donné, il est important aussi de parler d'activité physique adaptée. Parce que, effectivement, le sport, ça a une connotation, un peu compétition, et ça peut à un moment donné être discriminant ni dire sélectif, mais en même temps, c'est pas forcément englobant. C'est à la fois fédérateur, mais en même temps, ça peut exclure certaines personnes en disant non, moi je vais pas au club de sport, etc., parce que c'est du sport. Nous, effectivement, dans le milieu dans lequel je travaille, on ne parle pas forcément de sport. À l'anecdote, c'est qu'on a un éducateur qui a fait un master performance sportive. Je lui dis, parle surtout pas de sport quand tu viens chez nous. Parle d'activité physique. Le sport, nos usagers vont en avoir peur. Et ça veut dire que tu vas leur faire courir des marathons, etc. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est une remise en place, une sensibilisation, une remobilisation. Et je pense qu'effectivement, dans le milieu rural ou autre, etc., et pour atteindre certaines populations, il faut parler aussi d'activité physique. Et ça, nos éducateurs, nos profs de sport, effectivement, savent faire des propositions pour tous les publics. Et ça ne ressemble pas forcément à du sport, ça ressemble plutôt à de l'activité physique. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra peut-être aussi évoquer le lien entre activité physique adaptée et santé. Je voudrais juste préciser aussi que... En utilisant ce terme activité physique, pour les gens qui ne sont pas habitués à être dans la performance et au haut niveau, le principal, c'est de parler d'une activité physique qui leur donne du plaisir et qu'ils puissent tenir dans le temps. Quand on a du plaisir, on a envie de continuer. Et c'est là où on voit la transversalité et le bénéfice pour les usagers. Alors là, j'ai une question. Ah oui. Juste pour rebondir, enfin, juste deux mots, c'est juste l'enjeu de la continuité en fait. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de continuité ni d'autonomie derrière. Enfin, c'est ce que je pense en tout cas. Tu voulais ajouter quelque chose ? Du coup, j'ai une question pour tous les employeurs. Est-ce que vous prenez en compte les diplômes quand vous faites la rémunération en fait, du salarié ? Et du coup, une question complémentaire à celle-ci. Un salarié qui souhaite du coup élargir ses compétences, se former, avoir de nouvelles formations, donc qui fait cet effort du coup, est-ce que vous allez valoriser du coup ça dans la rémunération? Vous pouvez tous du coup répondre après. Alors, ce qui concerne mon domaine d'activité, nous, c'est la fonction publique territoriale. Donc, en fait, la rémunération est statutaire et liée à un concours. Donc, il n'y a pas de valorisation spécifique par rapport à la formation. C'est de la formation continue, en fait, et l'évolution des missions fait que voilà, ça fait partie du cursus professionnel. Et l'évolution de l'éducateur est statutaire, donc elle n'est pas liée à la formation. En ce qui concerne le fonctionnement spécifique des collectivités territoriales. Oui, moi j'allais dire la même chose parce que je travaille aussi pour une collectivité territoriale et plus dans le domaine de l'animation. Donc effectivement, les diplômes n'entrent pas en compte dans la grille de salaire. Par contre, je parle pour la commune pour laquelle je travaille.
Ensuite, les possibilités de se former ou d'acquérir ou d'aller dans d'autres formations sont bel et bien possibles. Donc, moi, je suis employeur en tant que président aussi bien de la Ligue que du Cross. Donc, au total, 13 salariés, 8 à la Ligue, 5 au Cross. On est régi dans le sport par la Convention collective nationale du sport. Donc, on doit respecter une grille de salaire qui correspond au diplôme, mais aussi aux missions exercées par les salariés. Et je crois qu'on doit aussi intégrer la formation tout au long de la vie, enfin tout au long de l'activité du salarié ou de la salariée dans nos associations. Donc, et aujourd'hui, on a des salariés qui continuent d'aller se former pour développer des nouvelles compétences. Ça peut être sur le sport santé, mais aussi sur un autre sujet qui parle à l'heure du jour, la digitalisation. Moi, j'ai des salariés qui vont se former pour développer des compétences à la digitalisation et dans le recrutement. Tout dépend le profil de poste qui est recherché. Mais si c'est un profil plus formation ou entraînement, effectivement, il y a des diplômes qui, minimum, qui doivent être pris en compte, bien sûr, dans le recrutement. Non, du coup, il y a plus de questions. En fait, c'est beaucoup de personnes qui commentent petit à petit les interventions. Il y a quelques questions personnelles. Donc, sur ces questions personnelles, par rapport à d'autres formations, donc, comme vous ne précisez pas dans vos questions d'où vous venez, on ne peut pas forcément vous indiquer quel type d'organisme de formation peut vous aider. Donc, n'hésitez pas... du coup, à nous préciser pour qu'on puisse vous renvoyer vers les services qui vont pouvoir vous aider sur ces questions-là. N'hésitez pas surtout au niveau des services départementaux jeunesse et sport de votre département ou de votre région. Je voudrais juste revenir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure, la nécessité de conserver la dimension du plaisir au sport. Nous, en tant que tiers-lieu, c'est-à-dire dans les accueils de jeunes, de mineurs ou dans les activités du service jeunesse, c'est un peu l'entrée qu'on a, nous, par rapport aux jeunes. C'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes. On va pas, quand ils viennent faire un match de foot avec nous, ce n'est pas pour en faire des champions du monde. Quand on va faire des footings, ce n'est pas pour qui court le marathon. Mais voilà, c'est surtout pour être ensemble. Le sport plaisir, partager, et puis ensuite, si on sent qu'il y a une volonté d'aller un peu plus loin, on les oriente vers les clubs. Voilà. Mais en fait, on fait ça avec le sport, mais on fait ça aussi avec le bricolage, les arts plastiques, un peu avec tout. Quoi. Voilà. Alors, du coup, j'ai une question de Marc. Du coup, Marc se demande, comment voyez-vous l'avenir des bénévoles non diplômés agissant au sein de petites structures associatives, sportives, rurales, des personnes compétentes, légitimes au sens de l'expérience, comme précisé par Bruno, et assimilées comme l'a précisé Angelina. Je crois qu'on a besoin dans tous nos clubs, quelles que soient les disciplines, des bénévoles qui permettent le bon fonctionnement du club, le développement du club. Donc, et après, les bénévoles, pour avoir un rôle dans le club, pas nécessairement diplômés dans certains domaines. Hein, je crois qu'ils aident au fonctionnement du club, quelle que soit son activité. Et après, on peut susciter des vocations. Certains peuvent avoir envie de s'investir soit sur l'aspect compétitif ou administratif, et aussi sur l'aspect nouvelle pratique. Je crois que c'est lorsqu'on communique sur l'activité du club, la volonté de développer des nouvelles activités, on peut aussi créer amener des personnes bénévoles à s'impliquer et à entrer dans les dispositifs de formation. La difficulté, je crois que les formations, il faut qu'elles concernent autant les professionnels que les bénévoles. Il ne faut pas qu'elles soient réservées uniquement aux professionnels. C'est une erreur. Il faut à la fois qu'elles soient destinées aux professionnels, parce que bien évidemment, les professionnels ont besoin de se former. Mais on doit aussi proposer des formations à destination des bénévoles, des formations de qualité, tant sur l'entraînement que sur les nouvelles pratiques, que sur la thématique santé, sur la thématique citoyenneté. Et je crois qu'on a des bénévoles qui ont beaucoup de compétences et qui ont cette volonté de s'inscrire sur ces axes. Alors, c'est vrai, je reviens sur ce que disait M. Bourdon. Je mets à sa place. Ou à votre place. Demain,
on revient à l'emploi d'un éducateur, je mets éducateur grand, un grand E, hein, qui rassemble les deux champs. Vous avez plusieurs éducateurs qui arrivent avec des diplômes, avec un diplôme APA, etc. Et vous avez un bénévole qui arrive, qui vous dit, alors moi je suis hyper compétent, donc voilà l'expérience que j'ai. Est-ce que vous l'embauchez parce que, est-ce que vous allez le prendre? Est-ce que vous êtes rassuré par l'expérience qu'il a, ou est-ce que vous êtes rassuré par la qualification qu'il a? Parce que vous dites, il y a la sécurisation, il y a la maîtrise de la technique. Comment est-ce que, en dehors de l'expérience qu'il va pouvoir apporter ou des justificatifs de formation, comment est-ce que vous allez, est-ce que ça est un frein pour vous, ou est-ce que vous dites, moi pas de problème, il peut. Pour ma part, effectivement, je l'ai. Pardon. Allez-y. Je n'ai pas le retour, pardon. Pour ma part, puisque c'était un projet qu'on créait, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, nous avions eu des candidatures qui relevaient plutôt du domaine social. Alors, ils avaient une expérience intéressante, mais comme on était au début du projet, j'étais un petit peu embêté, en fait. Moi, j'ai pour habitude de lire, effectivement, c'est pas forcément au départ complètement l'expertise qui va me faire, qui va jouer dans le recrutement. Un peu, effectivement, mais pas que. Ce qui me semble important, c'est effectivement que la personne, à un moment donné, puisse travailler avec, faire équipe avec les personnes avec lesquelles elle va travailler. Donc, c'est souvent mon premier critère. Et puis, effectivement, après, je regarde effectivement l'expertise, les compétences, etc. Là, pour le coup, c'était un projet qu'on démarrait. Et j'avais besoin, effectivement, de compétences. Et pour revenir à ce qui était dit tout à l'heure, effectivement, nous avons valorisé le fait que les personnes avaient un master, avaient une formation et voire un peu d'expérience. Et on l'a valorisé dans le salaire. Bon voilà, si aujourd'hui je devais recruter quelqu'un, effectivement, je serais un peu plus mitigé. Si dans un premier temps, effectivement, il fallait qu'elle ait 90% de compétences techniques et 10% d'expérience, demain, ça sera peut-être plus 50-50, ou ça sera un peu différent, parce que effectivement, elle va faire équipe avec d'autres professionnels, elle va pouvoir développer et continuer à apprendre, à acquérir de l'expertise. Et de fait, c'est son côté un peu, son expérience ou son aspect social qui va faire que je vais pouvoir le recruter. Voilà, c'est pas aussi simple que ça au départ. Hein. C'est vraiment, moi, je cherche à avoir effectivement de l'expertise, mais aussi de la cohérence et que les personnes puissent aussi travailler ensemble et avoir d'une certaine manière de l'autonomie dans leur travail. Donc, les choses sont à prendre, à doser. Hein. Effectivement, alors ça me fait. J'essaie à force de vous écouter les uns et les autres, je me dis qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui? Alors pourquoi la question de la compétence se pose? Parce que quel est l'objectif en définitive quand on parle de santé? L'objectif, c'est bien de modifier un comportement. Ça, c'est un objectif. C'est-à-dire qu'on veut que la personne, au quotidien, modifie son comportement de sorte qu'il soit favorable à sa santé, qu'elle soit physique, sociale ou tout ce qu'on veut. Et là, je me dis, l'exercice, c'est quand même un exercice difficile. Et si je fais une comparaison qui n'est peut-être pas très adaptée, mais quelque part, il y a des points communs. Vous perdez des points dans votre permis de conduire. Et on vous dit, ben voilà, vous avez perdu 4 points. Il faut deux ans pour les récupérer. Pourquoi 2 ans? Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir pourquoi il faut 2 ans? Et pourquoi, quand je perds un point, il me faut que 6 mois? Eh bien, parce que la sécurité routière estime que pour modifier un comportement routier, pour être sûr que la personne, quand elle roule toujours à 80, qu'elle respecte ce qu'on lui demande, eh bien, on estime que si elle applique ça, il faudra 2 ans pour qu'elle modifie ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont marginaux, la sécurité routière, dont je fais partie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je mets quoi? Quel est le signal d'alerte qui va me dire hop, t'es en dehors des clous? Eh bien, je vais mettre une application qui va me dire « Attention, il y a un gendarme là qui est caché derrière l'arbre. Hein ». Ça, c'est un signal d'alerte. Hein, mais en fait, j'ai perdu des points, j'étais limite de ne plus avoir de permis.
Est-ce que j'ai changé mon comportement aujourd'hui? J'ai fait des formations qui m'ont dit qu'il faut changer de comportement. Je suis sortie de formation, j'ai attaché ma ceinture, voire les quatre. J'ai même attaché mon cartable pour être sûr qu'il ne tombe pas avec une ceinture. Sauf que deux jours après, ben, j'étais pressée pour venir à mon travail et je suis partie. Donc on voit bien la difficulté pour modifier un comportement et que la compétence pour me faire modifier mon comportement, ça n'a pas été quatre stages. Ça n'a pas suffi. J'ai toujours rien changé. Eh bien, en matière de sentier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut intégrer ça, de dire que ben, pour modifier mon comportement, eh bien, il faut que j'ai conscience que c'est utile pour moi, que c'est important pour moi. Et là, en matière de sécurité routière, c'est important pour moi, mais à aucun moment, on se pose la question, c'est important pour l'autre. Vous voyez, par exemple, on vous dit qu'il faut mettre la ceinture. On ne la met pas. Hein. Moi, je fais partie de ceux-là. Je ne mets pas ma ceinture. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, je me pose la question en disant, mais ben, c'est pour l'autre. Je ne me pose pas la question de l'autre. Et bien, l'autre, c'est qui? C'est celui qui va payer, parce que ça va mobiliser des services pour venir me chercher, découper la voiture, etc., etc. Mais ça, je ne me projette pas. Et donc, la modification du comportement, elle est bien liée à des personnes qui sont formées, mais de façon à ce que vous modifiez votre comportement dans la durée. Et ça, c'est une difficulté. Et ça, c'est une compétence, à mon avis. Est-ce que ça sous-entend aussi que la personne qui est dans cette dynamique-là, elle adhère au fait qu'elle a besoin de changer voilà. Mais du coup ça fait appel pour moi, ça fait écho pour moi aussi à une autre compétence où on l'appellera comme on veut, mais qui serait un prérequis chez l'éducateur, c'est le tact. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, il faut avoir aussi dans sa panoplie de compétences peut-être cette notion qu'on appelle le tact. Juste pour rebondir, en fait, nous on l'a constaté sur le sport sur ordonnance, en fait les personnes avec lesquelles on a les meilleurs résultats et qui sont les plus assidues, ce sont les personnes, en les questionnant un petit peu, en fait, qui ont demandé à leur médecin une prescription médicale, et pas l'inverse. Et déjà, je pense qu'il y a une démarche de qui vient de la personne et qui ne vient pas du médecin, donc c'est pas du tout la même approche. Et pour revenir à cette notion de tact, précédemment, moi j'avais parlé de bienveillance, parce qu'effectivement, au-delà des compétences, il y a des qualités humaines vraiment nécessaires quand on travaille avec des publics qui sont très éloignés de la pratique sportive, pour les sensibiliser et les impliquer. Oui, une dernière chose par rapport à ça et par rapport au comportement, si vous me permettez aussi, c'est effectivement une des compétences, vous avez raison, de l'éducateur, mais on le voit aussi chez les médecins, enfin, ça a été décrit aussi dans la littérature, hein. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est qu'à un moment donné, le changement de comportement est lié à un événement de la vie ou à quelque chose qui fait que vous changez. Vous arrêtez de fumer parce que malheureusement, vous avez un cancer, malheureusement, vous avez vu quelqu'un qui est mort, etc. Ça marche, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, chacun a ses déclics comme ça. Et voilà, tiens, un jour, je me dis, je suis trop gros et je vais me mettre au sport. Bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et effectivement, il y a tout un travail qui a été fait autour de ces problématiques et de ces questionnements que commence à. Voilà, que les éducateurs aussi ont assimilé. Donc, effectivement. Ces changements de comportement sont liés à la fois à la personne, mais aussi aux professionnels qui arrivent à un moment donné à renvoyer des questions et des questionnements, oui, effectivement, à l'usager, à la personne qui est en face, et à se poser effectivement des bonnes questions. Alors ça marche pas, hein, je veux dire, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire et justement de prendre du plaisir à un moment donné en faisant une activité physique ou du sport. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, après, de manière un peu empirique, l'expérience montre que les éducateurs sont aussi sensibles. Il y a des signaux faibles qui montrent dans un comportement que la personne peut changer, peut évoluer. Et toute la compétence, les capacités de nos éducateurs, nos enseignants à pouvoir, prof de sport, de pouvoir à un moment donné adapter aussi un programme et faire des propositions qui vont permettre à la personne de se réhabiliter, de trouver du plaisir, de changer, d'être dans un autre état d'esprit. Donc je pense qu'il y a ces deux éléments, même si effectivement la personne, au bout du compte, c'est à l'usager d'agir, c'est ce qu'on appelle derrière l'empowerment, hein, mais
Il y a ces deux éléments, c'est qu'à un moment donné, on peut effectivement guider, il y a des techniques aujourd'hui qui font que ben, on peut essayer d'enclencher le déclic, et puis il y a aussi l'expérience qui fait qu'à un moment donné, on repère et on peut mieux accompagner les personnes. Tout à fait, et puis alors vous parliez de déclic. Alors le déclic, on l'a effectivement sur des publics rencontrés, comment dirais-je, dans leur parcours, quelque chose qui a fait que ça les a alertés. Mais le déclic, il doit aussi se faire sur les personnes qui n'ont pas de problématique de santé. Et le message, et comment on va faire passer ce message-là, on le voit bien sur le tabac. Il y a des milliers de personnes qui fument, qui achètent je plaisante, parce que j'ai monsieur Le Gril qui me regarde, mais qui achètent des paquets de cigarettes. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur le paquet de cigarettes? Fumais-tu? Mais ça, les fumeurs, ça ne les perdure pas, hein, tant qu'il n'y a pas eu de déclic. Donc c'est ça la difficulté, et ça rejoint la compétence, c'est-à-dire que comment est-ce que je vais faire modifier un comportement d'une personne qui aujourd'hui n'a pas de problème? Moi je fume, je ne tousse pas, je n'ai pas de problème, je cours, je fais un marathon et je fume, ça ne me pose pas de problème. Donc ça c'est difficile, c'est-à-dire que avoir des perspectives que ça va impacter la santé, si on ne change pas de comportement, ça, c'est difficile à faire passer. Et ça, c'est une compétence, qu'elle soit de l'activité physique, sociale, d'animation, pour modifier un comportement, c'est très compliqué, en définitive. Je sais pas, peut-être que la conclusion, vous pourriez apporter chacun votre conclusion, soit sur des mots-clés qu'on pourrait retenir, soit qu'est-ce que vous voudriez, pour conclure, chacun d'entre vous dire à l'ensemble de nos participants qui nous écoutent avec les yeux déjà cernés, je pense, depuis hier. J'ai un micro là. Donc, moi, je voulais juste conclure. Si j'avais un mot à citer, oui, ce serait décloisonnement. Et puis, comment dire, travail en commun. Alors, si j'avais un mot à citer, moi, ce serait peut-être la coopération. Alors, ça revient un petit peu au décloisonnement. Et du point de vue des compétences pour les éducateurs, ce serait l'empathie, les capacités d'adaptation. Ça rejoint tout ce qu'on a dit précédemment, et la bienveillance. Moi, ça va être très simple. C'est jouons collectif pour développer la pratique sportive pour nos jeunes, nos adultes, nos personnes âgées sur notre territoire. Je crois qu'on doit travailler ensemble là-dessus. C'est-à-dire, ne limitons pas le nombre de joueurs dans l'équipe, c'est ça? Et de mon côté, ça serait, après tout ce qui a été exposé, ce serait la communication. La communication pluridisciplinaire et puis la communication envers notre public. Les gens qu'on a envie de toucher. Et pour ma part, peut-être qu'effectivement, quelque chose qui est... c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'un d'entre vous, je me demande si c'est pas Evangelina qui l'a dit, effectivement, peut-être au-delà de ces aspects un peu coopératifs, etc., un peu structurels et techniques, simplement, et surtout dans cette période, que nos éducateurs de sport, nos moniteurs de sport, etc., nous apportent du plaisir et qu'ils aient cette compétence à apporter du plaisir aux uns et aux autres. On a évoqué la santé, c'est une notion très complexe. Effectivement, attention à, derrière l'aspect éducatif, à ne pas être trop rigide. Effectivement, on parle du tabac, de plein de choses, etc. Maintenant, il y a certains... Si chacun d'entre nous trouve un équilibre, et d'autant plus en faisant du sport, en faisant de l'activité physique, et derrière trouve du plaisir, eh bien c'est ça, c'est la quête du sens et de l'équilibre. Équilibre, je pense que c'est un terme que j'aimerais bien retenir, parce que voilà, ça me semble important dans cette période un peu trouble actuellement. Merci, merci à tous de votre participation très, très enrichissante, en tout cas qui nous a permis de mieux comprendre les horizons dans lesquels vous évoluez. Qu'est-ce qu'on pourrait conclure de manière collective sur tout ce qu'on a entendu sur cette thématique? C'est bien que je mets l'éducateur, la même chose, hein, l'éducateur avec un grand E qui rassemble tout le monde, hein, celui qui est en charge de l'autre, en fait, hein, celui qui est en charge de l'autre.
eh bien, en fait, il est un maillon d'une immense chaîne de personnes qui agissent pour elles, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est comment agir ensemble pour ces personnes-là. Et en fait, eh bien, nos éducateurs sont dans cette chaîne et ne sont pas coupés. En tout cas, merci à vous tous de vous être déplacés à la fois à distance. Ce n'est pas évident. Merci Angelina, M. Bourdon, Mme Farizon, Bruno Gramont et M. Marais. Merci à vous. Je vais laisser la parole à M. Pierre Legril qui va faire la synthèse de ces deux jours, qui est un exercice de voltige. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai retenu un mot cet après-midi qui m'a fait rire à un moment donné. C'est qu'à chaque fois, on disait « je vais rebondir ». Je vois qu'on est des grands sportifs. On est peut-être... parce qu'on a tous rebondi. Et donc, ça rassure quelque part. On est pas sédentaires. Merci à vous. Oui. Donc avant que la déléguée régionale académique conclue ce webinaire, voilà qu'il m'est tombé sur la tête ce matin l'impératif d'une synthèse. Alors, donc je vais m'y essayer, avec la précaution que cette synthèse n'engage que celui qui en est chargé. On s'est payé de mots quand même pendant deux jours. Hein. C'est ce qui caractérise Homo sapiens. Des mots, des concepts, des idées écrits, prononcés oralement, etc. Mais on s'est vraiment beaucoup payé de mots. Et donc, partant de ça, j'ai envie d'en discuter trois, en forme de synthèse. Bon, ça ne vous surprendra pas que je... Je vais discuter un peu le mot santé. Bon. Parce que il me semble que ce qui a été dit, redit, discuté, controversé même, il y a eu de la dialogie, de la dialectique sur ce mot, c'est bien sa polysémie en fait. Hein. C'est-à-dire que ça a plein de sens. Et le sens est souvent fonction du champ de politique ou d'intervention sociale dans lequel on est inscrit, on s'inscrit. Bon. Du coup, et j'ai oublié en préambule de vous dire que je souhaite adresser cette synthèse à, comment dire, aux acteurs pour lesquels ce besoin de séminaire avait été, il y a deux ans, exprimé. C'est-à-dire les acteurs de la formation professionnelle en région Normandie. Bien. Ce préambule fait pas au bon moment. Et constatant donc la polysémie du mot santé, je pense qu'il y a quelque chose quand même qui est sorti. C'est que il faut le discuter dans chacun de nos collectifs de travail pour élaborer tout projet, qu'il soit associatif, qu'il soit d'action, qu'il soit de politique territoriale, qu'il soit de formation professionnelle. Je pense que, comme on l'a fait là, il faut le discuter, le travailler, trouver un accord sur qu'est-ce que le collectif au travail veut bien donner, accepte de donner, à ce mot étrangement très polysémique. C'est le premier mot valise, en fait, auquel on a tourné pendant deux jours. Et puis, je crois qu'on a aussi constaté un glissement de compétences professionnelles pour agir pour la santé, d'animateurs socio-éducatifs et culturels et d'éducateurs sportifs. On a glissé vers l'activité physique, voire le sport, et même on a glissé par moments vers l'accessibilité à cette pratique. Il y a eu ces deux glissements-là. Ils sont compréhensibles. Il y a une actualité aujourd'hui de politique publique du sport qui est, comment dire, très engagée. Et l'ensemble des interventions nous les ont rappelées. Bien. Sauf que, du coup, a été convoquée dans ces glissements la notion de sport-santé. Je pense qu'il est valise lui aussi. Je pense qu'il est lui aussi valise. Chacun d'entre vous, cet après-midi, a dit sa
compréhension ou le sens qu'il donne dans sa pratique professionnelle, dans ses responsabilités professionnelles, à Sport Santé. Bon, mais je pense, je répète, que là aussi, il me semble que dans nos organismes de formation, quand on va se parler santé, premier mot valise, sport santé, deuxième mot valise, dont on a besoin, hein, on en a besoin de ces mots valises au quotidien de nos activités. Encore faut-il s'entendre sur l'intention et ce que le collectif ou les collectifs en action souhaitent y donner. Après, je pense qu'il y a un dilemme qui est apparu. Il y a un dilemme qui est apparu, Nicolas, pour le mouvement sportif. Et que le mouvement sportif, qui est en mouvement, comme son nom le dit, hein, va devoir régler. Mais je pense qu'il a commencé à le régler. Ça a été redit cet après-midi. Comment rendre compatible ? Comment rendre compatible ? La responsabilité des mouvements sportifs disciplinaires, abrégé d'une représentation qui est le mouvement olympique et sportif, qui ont charge de développer leur activité, historiquement, sociologiquement ancrée. C'est ça la responsabilité, avec l'aspiration à laquelle ils aspirent aujourd'hui, en s'engageant sur des enjeux de santé, au travers, à partir de leur activité. Mais cet engagement, ça a été dit, ça veut dire, ça revient à mettre, à se donner comme entrée, non pas l'activité, mais les personnes. Il y a donc là un dilemme à régler au sein de vos projets associatifs et de politique sportive. Je suggère deux idées. Aux organismes de formation particulièrement, mais aussi, éventuellement, ce ne sont que des idées, hein, pas des suggestions, c'est pas pareil, au mouvement sportif. Dans l'intervention sociale, parce qu'on en est, on y est un peu quand même, hein, on y est un peu quand même, ils travaillent beaucoup, travail au sens travail social, ils travaillent beaucoup la participation de ce qu'ils nomment les personnes accompagnées. Alors, c'est peut-être fait déjà, mais il y a peut-être là une ouverture qui permettrait de, régler ce dilemme entre exigence de développement de l'activité sur des impératifs forts, hein, et puis prise en compte ou compréhension des personnes territorialement ancrées, hein, soit dans le club, soit à proximité du club, etc. Bien. Deuxième suggestion à nos opérateurs de formation, aux opérateurs de formation normands. Il y a un gros habitus dans les dispositifs de formation qui est un chapitre, si vous voulez, de connaissance des publics. Je ne sais pas si en continuant à faire ainsi, on va, réussir à et éveiller les futurs éducateurs animateurs à la prise en compte des personnes. Je suggère que ce soit nommé compétence, non pas la compétence connaissance des publics, mais bien la compétence compréhension des personnes. Je pense que ça change un peu le regard. Alors là, il y a eu un autre mot valise. Alors celui-là, c'est une malle-poste. On a tourné autour. C'est le mot compétence. Parce qu'en fait, il est doublement ancré, celui-là. Il vient du juridique. Hein ? C'est quoi la compétence au sens juridique ? C'est l'autorisation que confère une institution, institutionnellement nommée, pour dire que telle ou telle personne est autorisée à accéder à telle ou telle profession. Exemple, le décret de 2016 relatif aux dispensations de l'activité physique adaptée, etc., etc., qu'on a cité déjà 43 fois, dit quelles qualifications sont autorisées à. Mais il y a un deuxième sens. Et en fait, on a navigué entre les deux. Il y a un deuxième sens qui est un sens
Très ancré, lui, dans la didactique de la formation des adultes. Qui est, on sait tous, c'est une combinaison de savoir-être, savoir-faire, savoir. Ok. Cette définition même a été contestée. Bon, on ne va pas la contester cet après-midi, ce n'est pas le sujet. J'aime bien remplacer cette compréhension par le savoir y faire. Le y, c'est un y. Bon. La différence entre ces deux conceptions, c'est que la première, c'est donc une autorité qui dit que telle personne est autorisée à postuler à telle profession. Et d'ailleurs, il y a pas mal de questions là-dessus. Il y a eu des questions là-dessus. C'est-à-dire, le contexte réglementaire, on a besoin de le comprendre un peu. Bon. Et puis, la compétence au sens compétence professionnelle, telle que nous l'entendions et telle que les opérateurs de formation essaient de la faire émerger. Celle-là demande deux validations, en fait, de l'employeur, qui considère qu'oui, il fait le métier, il sait y faire. Mais préalablement, peut-être, ou même pendant, au même moment, le professionnel lui-même, qui par réflexivité sur son activité, considère que moi aussi, oui, je m'en dépatouille. Je sais y faire. Dans ce contexte-là, avec ces problématiques-là, je sais me débrouiller avec les moyens que je n'ai pas. Je sais me débrouiller avec les moyens que je me donne et auxquels je ne m'attendais pas à avoir accès. Bien. Du coup, conclusion, je tire sur cette ficelle-là et je me dis que j'encourage les organismes de formation à travailler sur la compétence des futurs professionnels à évaluer leurs compétences. Pour ce qui est de l'intention initiale de ce webinaire colloque, je pense que la question était présomptueuse, mais tout de même, il y a des éléments qui sont diffus dans l'ensemble des actes que nous allons publier. Personnellement, j'ai repéré des réponses. Il y en a eu cet après-midi. Il y en a eu sur les quatre webinaires. Des réponses à quelles compétences des animateurs, des éducateurs sportifs sur cet enjeu de politique publique. Ok ? Bien. Donc il va falloir, ça c'est un travail qu'il va falloir faire, agréger, extirper de l'ensemble des actes de ces deux jours pour essayer de les constater. Tout ça pour dire que il y avait un feu, sur les enjeux de santé partout. Tout le monde en a témoigné, d'accord. Il y a une volonté, il y a une ambition, il y a des réalisations, d'accord. Mais ce colloque, j'espère, a un peu soufflé sur ce feu, l'a fait monter d'un petit peu, et donc là, il me paraît, c'est peut-être un passage de témoin, hein, une forme de passage de témoin. Il m'apparaît très important que ce feu ne retombe pas. Donc il va falloir trouver les voies et moyens pour que les ambitions qui ont pu, les projets qui ont pu se dessiner dans les esprits des uns et des autres puissent rapidement se concrétiser. Par exemple, on a senti que les participants, pas mal de participants, avaient besoin de concret. Je pense par exemple, à titre d'exemple simplement, c'est ma toute petite contribution, à ce que la représentante de l'Agence régionale de santé nous a indiqué hier. Elle nous a parlé d'opérateurs locaux de prévention. Je pense que les acteurs territoriaux ont besoin, vite et bien, de pouvoir repérer ces dispositifs de l'ARS qui ne sont que des personnes, c'est-à-dire les opérateurs locaux de prévention.